Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue, nous sommes le mercredi 30 mars 2016, j'espère que vous êtes bien, les 3, je suis Click, vous êtes les viewers, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Oui, d'habitude je dis 15h, mais aujourd'hui, il y aura un speedrun Final Fantasy à 14h, de 14h à 20h. Ce idée d'heure, donc, je lâcherai l'antenne plus tôt, donc ne paniquez pas, on a quand même 2h ensemble, 2h sur le modpack Infinity Evolve de Minecraft, en 1.7.10 sur feedthebeast.net.com, ce que tu veux, tu cherches sur Google, nom de Dieu, c'est ton ami. Donc au programme à 14h, le speedrun Final Fantasy à 20h, le Undercover de Final Fantasy 15, ça c'est le programme sur votre TV1, sinon nous on se retrouvera sur ma chaîne perso ce soir à partir de 21h avec au programme de la découverte de Dofus, oui hashtag OPSP, c'est comme ça, mais on m'a proposé de découvrir Dofus, j'y ai joué il y a longtemps, une demi-heure, voilà, donc ce soir, création de personnages, tralala, tralala, etc, vous avez toutes les infos sur le www.alexclicktv.fr, rubrique planning, bon, sinon vous avez un chat, ça se trouve à droite du lecteur, le chat est sympa, hein, on y voit notamment Emerald, Velteram, Sky Brian, Magritte, hein, Ironcraft, Seber, bienvenue à Frostbay, Manei, ça va, bienvenue à vous, installez-vous confortablement au programme, aujourd'hui on continue, donc Infinity Evolve en compagnie notamment de Foxine. Ouais, salut. Salut, Chava, la trompette, la vête. Tout ça. Oui, ah bah oui, j'ai merdé mon tweet 3 heures. Ouais, bon, on s'en fout, c'est parce que j'ai copié-collé celui d'hier, Oliver. Oui, bah oui, merci. Bonjour, Oliver. Voilà, très belle transition. Bonjour. Vous allez bien? Oui, vous? Je me disais pourquoi il m'écrit, ce con, il est que moi. Mais bon, voilà. C'est... Quand je dis que t'es con, c'est amical, hein. C'est un con que j'aime. Oui, oui. Tu vois, oui. C'est un condescendant. Voilà. Ouais. Bonjour, Musaren. Salut. Ça va, la famille, la forme, la pêche, la forme, la moule? Ouais, à peu près tout ça, mais pas en même temps. Ah bah non, parce que sinon ça fait une soupe à la moule. Et bonjour. Salut, salut. Salut, pupute. Salut, Alex. Salut, pouboute. Bonjour. Magnifique. On est beau, ouais, on est fort. C'est vrai que je viens de faire mon live juste pour voir pupute et poupoutre, hein, qui se demandent. Ouais, c'est normal. C'est normal, à un moment donné. Voilà. Et après, ils se barrent. C'est normal, ils ont fait alors, ça coup ressemble à ça, pupute. Mais alors, moi je m'attendais à plus de. Ben, je ne sais pas, je m'en vais. Voilà, c'est magnifique. Voilà, je rappelle d'ailleurs qu'on te retrouve sur le www.leslictv.fr, rubrique planning, notamment avec des lives. Tu lives en ce moment sur My Name is Pony, un nouveau jeu édité chez Plon. Magnifique jeu qui a pris une note chez vidéoludique. Ça existe ce truc? Ouais, une note de B+, voilà. Ouais, non, ça sentait la connerie, hein. J'allais dire un site qui connaît, qui a connu, ou peut-être qui n'existe et tout. Voilà, ça allait encore être un problème pour mon emploi de terme durable, tralali, tralala. Bon, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on finit Vampire. On est resté à la quête 8, il nous reste la quête 9 et 10 pour être Vampire level 10. Bien entendu, parce qu'on est des dingues, on restera loup-garou Vampire. Hein. Pourquoi faire dans Witchery? C'est faisable, hein. Vous pouvez faire des incantations, vous voyez, qui vont. Ennemis, qui... Ouais, mais moi, je suis de comme dans. Comment il s'appelle ce film? Comment il s'appelle ce film? Underworld. À un moment donné, il y a un loup-garou vampire, ma gueule, il déchire tout le monde. Je me suis dit, c'est vachement bien. Donc j'avais l'air. Il a tout compris du coup. Ah, il a tout compris à la vie, le gars. Donc on ne fera pas les incantations pour enlever la malédiction, parce qu'à un moment donné, comme dirait l'autre, la bite. Alors vous pouvez voir que j'ai une jolie télécommande, hein, parce qu'avec Oliver, hier après-midi et hier soir, on était chaud du bulbe. Alors on a décidé, il m'a dit, allez, viens, on le fait maintenant. J'ai dit, allez, mais vas-y, il a commencé à enlever son slip, j'ai dit qu'est-ce que tu fais, il m'a dit j'ai chaud, bon après on s'y est mis, donc on a fait énergie via RF Tool, hein, via aux perles de l'Under, alors tout simplement lorsque vous commencez au pire des cas un petit tour dans l'End pour lancer votre production, au moins le début, vous voyez, hop, j'ai eu une petite trappe ou net, donc vous voyez ça remplit bien, j'avais eu un problème de chunk loading mais c'est réglé dans le Perl Injector, donc ça il y a plein de monde qui fait des tutos sur internet, vous voyez, YouTube, tout ça, vous trouverez plein de monde qui vous explique comment on fait ce générateur. Ce générateur va dans ce capacitor banque 200 millions d'RF qui va lui-même ici, moi je vous montre les câbles qui n'existent pas, hein, c'est normal, c'est parce que voilà, dans ce deuxième ainsi que dans un Tesseract, ici un ME. On ne peut plus basique, on ne pompe plus ordinaire. Rien de bien particulier mais qui me permet de faire dedans, mais aussi d'y aller à la télécommande. À l'arrière, nous avons placé un dispositif dit Wi-Fi afin de pouvoir, dans un délai de plus ou moins 100 blocs, pouvoir accéder à ceci afin que la télécommande ne panique pas. Hein. Donc ça me permet d'aller jusqu'à mon église là-haut. Et de pouvoir avoir accès au Wi-Fi, hein, c'est-à-dire à tout ce que j'ai dans mon joli ME, ce qui est tout à fait pratique. Hein. Je ne sais pas ce qu'on ferait dans le modé sans le ME. On en chierait des patates, on serait obligé d'utiliser Logistic Pipe. Ça serait la merde, hein, Oliver, okay. Qu'est-ce que t'en penses? Tu voudrais utiliser Logistic Pipe?
Bon, c'est bien, je sais que pas écouter. C'est sympa, cependant. Faire pas mal de trucs avec. Ouais, non, tu peux faire des systèmes totalement fumés, hein, mais, ah oui, c'est, mais ça prend un peu plus de place. Voilà. Là, c'est oui, vrai oui. que le truc est complètement fumé, quoi. Tu mets des armoires, c'est parti, mon kiki. Alors, je me suis pas fait tous les processeurs et tout, puisque bon, bah, je me suis dit qu'Oliver, chez lui, il en avait plein. Alors, on a fait un aller-retour à sa maison. J'ai visité sa maison, qu'elle était très jolie. On a bu un petit verre tous les deux, comme ça. Il a mis une musique romantique. Là, j'ai commencé à flipper. J'ai dit, on est venu pour les processeurs. Et là, on allait faire les processeurs. Voilà. Et de l'autre côté, alors oui, parce que vous allez me dire d'accord, mais à la base, pourquoi? Bah, parce qu'il faut bien l'alimenter, cette machine. De l'autre côté, mon cher Maurice, viewer Maurice. C'est Euro qui installe Wi-Fi. Que dalle ! Que dalle ! Que... Donc, de l'autre côté, alors ça, c'est des vitres, hein, les dark glass, qui permet... il ne nous voit pas. Enfin, normalement, il ne nous voit pas. Dessous de la curse, vous voyez, donc ça spawn sur la cursed. La cursed, c'est un grinder qui tue les bousins, qui récolte de la mob essence. Oui, parce que pour pouvoir faire spawn d'autres choses, hein, le but, c'est quand même de faire spawn des Undermoon. Ces Undermoon, pour pouvoir spawn, il va falloir de la mob essence. Donc, cette mob essence est récupérée par le grinder. Je trash tout ce qui est item parce que je m'en bats les steaks de ces items là pour l'instant, donc c'est trashé. La mob essence va des deux côtés où il y a chacun un spawner, ici un spawner à Enderman. Alors l'obsidienne n'est pas obligatoire, hein. Sachez que c'est que les blocs mous, hein, dits mous, que l'Enderman peut absorber, c'est à dire la terre, le sable, etc. La pierre, hein, la stone, il s'en bat les couilles, mais je trouvais que ça faisait joli après avoir vu chez Fox, et c'est pas très compliqué de faire de la purée mousseline, parce que quand je fais de la purée mousseline que je sais. C'est trois marques de purée maintenant. C'est qu'est-ce qu'il y a dedans? Purée Carrefour, purée Auchan. En plus, ça rime, putain, je suis un poète. Pouette, pouette. Camembert. Alex, ton grinder, en fait, il y a une zone d'action de 5 sur 5 devant lui. Ouais, mais t'en je sais plus. Pas. Écoute, Maurice. Ouais. Et donc, de l'autre côté, on a fait un spawner à villageois. Vous voyez qu'en plus, il y a des coursifs de sécurité. Monsieur, excusez-moi, vous êtes dans la coursive de sécurité. Avez-vous votre formulaire B22? Donc, ce qui va nous permettre d'utiliser les villageois à notre guise ou de les manger, hein, ça dépend. Donc, je pense que l'un ou l'autre. Oh, voilà. Un hérétique. Voilà, comme ça au moins j'ai enfermé Fox, vous voyez, derrière la vitre. J'ai une nouveauté, j'ai un vampire. Voilà. Ressortez, monsieur le vampire, que je finisse de montrer un peu tout ce que j'ai fait en off. Oui, il est fort en placement les de produits. Ah oui, c'est pour ça que les marques me payent. Hein. Tu sais, à un moment donné, faut pas tortiller du cul pour chier droit. Alors, ici, là, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui après les vampires. Vous verrez, on ira essayer de trouver ce qu'il nous faut pour faire une automatisation de diamants. T'as vu, parce que quand même, le diamant, j'arrête pas et je commence à être un peu en galère et ça m'énerve. Alors, de base, comme j'ai envie d'être riche, je vais faire du diamant. Donc, ici, on a mon cercueil à moi. C'est mon cercueil à moi, Allison. Elle est peut-être décédée d'ailleurs, Anna, en question, Allison. Bref, donc ici j'ai commencé à creuser ma salle Blood Magic qui arrivera prochainement. Previously, non, previously c'est avant, mais bref, donc elle sera ici. J'avais un petit problème d'entrée puisque c'est pair et or, il est impair, il fait 23 par 23 par 9, le plus gros altar. Donc j'ai remédié en faisant moi-même un truc impair par ici. En plus, on pourra le voir un peu en hauteur. Alors là, bah, 9 ça fait pile poil la taille ou un de moins. Donc il faudra tout simplement, on va voir comment on va la creuser avec Musa, puisque Musa m'a dit, oui, bah, moi j'avais déjà commencé, j'ai dit, bah viens, on met ça en commun, il m'a dit, ouais, parce qu'en plus c'est stylé ici, Blood Magic, alors ok, donc eh ben, on la fera ici, mais pas tout de suite. Donc au programme aujourd'hui, on finit Vampire, we are gonna to Vampire, because we are 7, we want, non, we are 8 on Vampire, et c'est in English for people who want to suivre le live, because suivre, given, it's formidable. So, only in English today. Oh, welcome. So, we are to do a Vampire 9 and after 10. 9, pourquoi tu parles avec ça allemand? 9, Vampire 9! And after 9, 10. And when we are 10, it's formidable. We are Vampire Ultimate Vampire of the Death, like Foxine. You know, Foxine is 10, it's tralala. I can do my hop, and hop là, regardez. Look, sorry in French. I know you say, oh, I think he's English because he's wonderful English. I don't know his French. Yeah, I know. It's. So,
Donc, follow me, ah bah voilà, suivre c'est follow, follow me, nine, alors nine, ah oui, vampire villageois, nine, vampire villageois, donc je vais prendre villageois et je vais les enfermer, hop là, golden lasso, je crois que j'ai planqué ma Gritor quelque part, je ne sais plus, villageois, hop, golden lasso, villageois, villageois, golden lasso, bonjour, je prends Maurice et Jean-Pierre, voilà. Merci. Venez avec moi, les gars. Les autres, vous bougez pas, on va revenir, hein. D'accord ? Voilà, j'ai désactivé, hein. Le levier devant, c'est pour désactiver le... Voilà. Donc, nine vampires. Donc, ici, on va les mettre là. Hop. Voilà, donc là, il est là, pas bougé. C'est la quête, elle dit ça. Ah bah non, c'est celui-là, alors. Voilà, donc là, ils sont contents, il y en a deux. Voilà, on me dit, il faut absolument fermer des villageois. J'en ai prévu 8. Pas de panique, là ça n'a pas fait ding-ding, ça veut dire que j'en ai pas mis assez. Retournons chercher des villageois. Après, il va falloir que je transforme des gens en vampires, ce qui va être rigolo. Oh, ça va être rigolo, tu te... Ça va être un rigolo. Ça va être. Des gens, type des gens ou des villageois? Les deux, on peut faire les deux. Des euros. Si tu souhaites que je te mange, je te mange. Hein. Non, j'ai envie de vivre le jour encore. Mais viens la nuit, on dira que t'es patron de Night Tech. Alex. Oui. C'est que le but, c'est pas de les mettre directement dedans. Ah merde! Ok. Faut faire quoi? Faut les pousser, c'est ça? Tu poses à côté. Ouais. Tu l'hypnotises. Ah. Il doit te suivre dans la cage. Et moi, comment je ressors? Alex. Bah, tu changes en chauve-souris, tu mets ton chauve-souris, il vole. Alex, il demande pas l'avis du public. Voilà, ah bah, moi je vais pas demander l'avis du public. Et là, Alex, maintenant qu'il est hypnotisé, tu bois son sang jusqu'à la moitié, mais sans blesser. Donc les deux premières gouttes. Je peux plus le transfixe. Il veut plus. Peut-être parce que ouais, je suis en chauve-souris. Je suis vampire, Dracoclic. Oh là là. Ça fait tang-tang-tang. Ok, le deuxième... Toi, ah merde, non c'est pas ça. Toi, suivre-moi. Moi, transfixe. Toi, rentre. Moi, sors. Moi, pute, chauve-souris. Oh. Oh merde. Allez, je peux le tuer. Michel. Nous sommes désolés. Michel, nous sommes désolés, vous ne restez pas en saison 3. Attends, j'ai Maurice. Vous êtes viré. Vous êtes viré, voilà. On va recommencer. Donc le premier, c'est fait, faisons le deuxième. Alors, on recommence. Maurice. Alors de base, c'est 5, mais généralement, ça marche avec 2, 3. Moi, c'est Maurice, suis-moi dans cage. Voilà, toi, cage. Moi, ressortir. Faire hypnotisme. Mangez-toi. Mangez-toi. Ah bah c'est bon, you stronger. Ah bah voilà. Ok, et qu'est-ce que je fous des autres là maintenant? J'en laisse que deux. Tu peux les garder pour les transformer. Ok, tout va bien. Donc là, on a réussi, il me faut maintenant une page. Qu'est-ce que j'ai foutu de mes pages? Attendez, je dois avoir ça quelque part. J'ai dû foutre toutes mes pages, bah voilà, bravo. J'en veux une, merci. Merci oh, Michel. Oui. Donc, hop. Fox, c'est ma bouffe, hein. Non parce que je t'entends essayer de les manger. J'entends le cram. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Dernière page d'un immortel. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. At last! Yes. He knew his blood was strong enough to replicate what she had done for him. Yes. Quand elle est allée au marché, elle a vu des navets. Left me weak. Left me weak. La chanson. Before you go, go. That left me weak. Close to Oblivion. Yes, you know the game Oblivion. It's the same. You can play in Minecraft to Oblivion. Très, très good game. But I watches him fill a glass goblet. Si t'as soif, trinque un coup. And hand it to me. Et donne-moi à boire. Voilà. Donc, en gros, hand it to me. En gros, il veut que je mange des gens et il veut que je fasse des vampires. Si j'ai bien compris. Donc, tu prends ton gobelet. Ok, on a notre gobelet. Donc là, il me faut des villageois. Il va falloir... Non ? Ici ? C'est bien ça. Mais ton gobelet, déjà, t'as pas besoin du villageois pour ton gobelet. Non, je le remplis de mon sang, moi. Voilà, c'est bon. Ok, donc je teste. Donc je me mets à côté. Il faut me mettre à côté d'un cercueil. Alors, j'ai préparé des cercueils, coffines, pas compliqué, et des blood crucible. Voilà.
Les Blood Crucible, c'est là-dedans qu'ils vont foutre le sang hein, pour bosser pour moi. Donc, je mets un pinge. Hop là. Du sang, c'est ça ? Ouais, ouais, ils vont me rapporter du sang. Ah, je le transfie fixe. Voilà. Je bois quoi, tout ? Faut que je bois tout ? Cost Oblivion, c'est-à-dire que non seulement tu bois tout, mais en plus, faut que tu lui laisses un demi-cœur. Un demi-cœur. Putain, mais faut vraiment que je le mette dans un coin. Attends, Maurice, t'inquiète pas. Ça va bien se passer. Pas, hein. Je peux juste te sucer le sang. Attends, faut que je lui laisse qu'un demi-cœur. Ouais. Top. Bah non, il reste un demi là. Ah ouais, oh ça, putain. Et donc là, je lui donne le gobelet. Rapproche-toi du cercueil. Un petit transfix. Viens avec moi. Pour lui donner moi. Le gobelet, t'es obligé de le transfix, hein, sinon. Ok, et donc là, je lui donne comment ? Clic droit dessus ? Ouais. Oh, ça y est ! Ah, ah c'est bah... femme. Bonjour madame, ça va ? La forme ? Vous êtes maintenant mon vampire. Bienvenue à la Vampire Academy, madame. Ça me fait plaisir. Oh, elle est horrible. Elle est horrible, hein. Elle a des bourses, Michel. Ouais, ça pointe. Donc là, elle va bosser pour moi dès qu'il fait nuit, c'est ça ? C'est ça. Dès qu'il fait nuit, elle va aller au village le plus proche. Elle va se nourrir des villageois. Elle va bouffer tout le monde. Et elle va me ramener. Ouais, attends. Dès le matin, elle va revenir, elle va tremper. Je vais préparer mon armée. Je crois qu'elle va me bouffer, par contre. Mon armée de vampires. Hop là. Regarde, je loue, frère Lisa. Ouais. Mais non, elle va pas te manger. Par contre, moi personnellement, je vais plus dans les villages. Pourquoi ? Ah bah, j'ai croisé deux Witch Hunter juste avant. Alors, attends, je vais prendre du sang à moi. Hop là, voilà. Ah bah, attends, il y a un souci avec des inhibards triangulaires. Hein. Ah putain, là je vais. Je transforme. Ouais, je transforme Trollolol. Putain, ouais, t'as transformé Elvis et c'est devenu une femme alors. Ouais, bah Elvis, tu savais pas, c'est une femme en fait. Donc bon, Trollolol, je pense que. Hop, 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 putain, un peu trop sucé. Est-ce qu'elle a les outils ? Parce que Elvis, mais à Manu. J'étais un peu trop sucé. Salut ! Encore une bouise. Mais putain, là, c'est le quartier des meufs là en fait, j'ai en train de faire le dortoir des nanas, allez hop. T'es en train de te faire un harem. Tu peux avoir des vampires hommes. Quoi ? Y a... Pourquoi y'en a une qui s'est barrée ? Je sais pas, elle est là. Elle est où ? Non, elle est là, elle est revenue. Ah, c'est TP. Complètement con, ma pauvre vieille. Alors donc. Quand ils sont trop loin, ils se TP. Salut hein. Maurice, tu vas devenir vampire, t'es content ? Ouais, alors je voulais dire que. Allez, trop tard, t'es transfix, allez hop hop hop. C'est trop tard, t'es vampire. C'est trop tard, je décide. Un hérétique. C'est bête, Musa, il t'aurait pu être intéressé. Ça, non, c'est. Gritchard. C'est-à-dire que si tu dois me transfo, tu dois me descendre à la demi-cœur aussi ? Non, non. C'est ça. Si c'est de l'Undershard ou de la Nethershard, ça peut m'intéresser autrement. Ah, t'es pas assez prêt. Tiens, viens. Viens avec moi. Je te donne l'immortalité. Ah, bonjour monsieur. Ah, bah, c'était deux femmes. Voilà, je te présente, Michel. Voici Jacqueline et Bernadette. C'était femmes. Bernadette, Jacqueline, faites un bel accueil à Michel, tout jeune vampire, de côte de maille vêtu. Petite astuce, il est comme vous, il adore sucer. Alors, ouais, mais c'est vrai. Donc là, je suis bientôt. Faut que j'en fasse combien comme ça ? Bah, autant que tu veux. Moi, chacun remplir un crucible, donc ça dépend. Si... Salut les copains. Alors, vous étiez enfermés, ça tombe bien, je viens vous libérer. Enfin, je viens vous offrir un super contrat. Vous allez voir, on va en discuter. On va commencer en face, on a déjà 3 là-bas, faisant 3 ici. Donc d'abord, je remplis mon gobelet de sang. Il est midi 21, Alex. Et alors ? Un vampire suce le sang, un moustique suce le vampire. Oui. Alors donc, tu vas dans l'angle. Bonjour, alors monsieur, j'aimerais vous proposer un magnifique contrat. Ce contrat, si vous le signez aujourd'hui, vous devenez mon larbin, mais immortel. Sauf au soleil, parce que là, au soleil, ça craint, ok ? D'accord ? Allez hop, on n'a qu'à dire que oui. Puis en plus, vous êtes une très bonne source de nourriture. Hein. Je vous suce. Ah bah, viens ici, Maurice. Voilà, tu vas dans le coin, je te mange. Voilà. Et il est prêtre, lui, à la base. Ah merde. C'est pour ça qu'il a un sang dégueulasse. Voilà. Donc maintenant, je te transfixe. Viens avec moi. Nous allons aller sur ce cercueil-là. Vous voyez, je vous ai déjà prévu un joli cercueil, monsieur. Venez ici, merci. Voilà, maintenant vous êtes... Ah bah, vous êtes prêtresse. Ah bah oui, d'accord, prêtresse de l'apocalypse. De l'apocalypse. Putain, mais ils vont sucer tous les villageois. Hein. En gros, J'ai entendu boum. C'est quoi ce boum ? Il va où ? Non, mais elle est colère, hein, je te dis. Ah, c'est quand il se TP ? Ouais. Je croyais qu'il y avait un meuble qui était tombé chez moi. Mais tu vas où, ouais, Michel ? Mais t'es transfix si... Genre quand la nuit va tomber, ils vont tous vouloir me bouffer les trucs. Non. Se TP dans le village.
Si t'as l'impression que t'as une marque ou un truc comme ça, si tu sens une petite piqûre, c'est pas grave, tu t'inquiètes pas. C'est normal, si ça pique un peu au départ. Mais... Voilà, monsieur, madame, monsieur, madame, vampire, madame. C'est encore une madame ? Putain, mais j'ai que des madames au mètre carré là. Alors attends, on va aller chercher, on va réactiver le spawner de villageois. Hop, non, parce que là, ça commence à. Allez, vous pouvez la fermer, les Enderman, s'il vous plaît ? Merci. Il y en a qui bossent, hein. Alors je sais, vous êtes esclavagie, mouru, etc., mais j'ai besoin de vous. C'est la fête. S'il y a une trappe là. Bon, j'ai. Musa, tu regarderas si tu veux, j'ai mon deep storage qui se remplit là. J'en ai un petit peu, il est là. Oh, je quoi ? Bah d'Underperm. Ah non, c'est Uro qu'on a besoin. C'est moi, j'en ai besoin de ça. Il est dans mon. Il y a une trappe si tu es à côté de moi là, je te montre. Je trouverai la trappe. Ah oui, je vois, ouais. Je... Bonjour, je viens vous libérer. Ah, un beekeeper. Merde. Il allume. Vous refermerez en sortant, hein. Oui, oui. Donc. Allez, un Maurice de plus. Bonjour, ça va ? Ça sera un homme, ça. Ah, ça Oliver fait des pronostics. Oliver il vient de nous créer le PMU des vampires. Paris Spot. Ah, lol, allez. Jouer comporte des risques. Ouais, jouer comporte des risques, hein, Oliver. Hein. Ah, bah, de toute façon, je vous laisse plus vous approcher de moi. Hein. Premier qui s'approche, il prend un coup. Hein. Et non, c'est une madame. Là, c'est un spécial. Ah, bah non, il y a un monsieur au milieu. À chaque fois, il y a un mec qui est bien loin. Non, il y a que des dames. Non, c'est une bonne femme. Ah, oui, c'est une bonne femme. J'ai perdu. Voilà, tu as perdu. Donc, déjà, j'ai déjà 6 vampires. Et dès qu'il va faire nuit, parce que là, il fait encore jour, dès qu'il va faire nuit, ils vont se barrer. Hein, ils vont aller dans le village le plus proche, sucer un peu tout ce qu'ils trouvent. Ah, là, je sais qui comme ça. C'est notre village, quoi. Ouais, c'est pour ça. Que c'est attention. Ouais. Non, mais quoi, Alex, t'es où ? Je sais pas trop où t'es. Bon, je finirai mes vampires plus tard. Oh putain, c'est horrible. J'en ai déjà 6, c'est très bien, ils vont commencer à bosser pour moi. Tranquillement. Hop, tiens, je te libère. Sursis pour toi, Maurice. Attends, comment elle est ma canne ? Est-ce qu'elle est pleine ? Libérée, délivrée. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous avons décidé, en plus de vampires, où ça y est, on est level 10, de faire une automatisation de... Ça se passe ici, ça se passe par là, excusez-moi. Une automatisation de... Diamant. Or, il me semble que, avec Oliver, nous croyons, nous nous rappelions, nous aimions, que cette automatisation peut se faire grâce à des mobs et une machine un petit peu particulière qui est l'Uncrafting Table. En fait, cette Uncrafting Table va décrafter des items. Or, on va me dire, oui, d'accord, mais comment ça se passe ? Donc, en fait, ça se passe dans la Twilight Forest. Il va falloir qu'on trouve le mob en question. J'ai préparé ma Safari net réutilisable, reusable. Une, deux, trois, quatre, j'ai attends, on a un paquet, toi. donc, dans l'idée, ce qu'il va falloir, donc c'est pas grave, la mob essence, en fait, est dans cette direction-là. On va pouvoir tirer un câble pour venir au milieu. C'est pas très, très grave. L'idée, ça va être d'aller chercher les gardes des Minotaurs. Gardes, le Minotaur, c'est le boss. Les gardes qui ont des haches en diams. Et en fait, ce qui est assez fumé, ça va être de les faire apparaître, de les tuer avec le grinder, de garder les items de trash qu'on ne veut pas et de garder le diamant en fait. Et donc en gros on va se créer une fabrique à diamants grâce à la Twilight Forest. Alors ici vous voyez j'ai mis un truc pour l'XP et puis c'est tout parce que j'en avais marre. Et donc ici j'ai préparé de quoi faire la toilette. Donc hop, tac, on va garder juste un lasso quand même par sécu au cas où. Donc mesdames et messieurs, nous allons donc ouvrir la Twilight Forest. J'attends qu'elle soit ouverte pour mon coup. Ouais, ouais, ouais. Que ça soit à ciel ouvert. Non, non. Ah, j'ai un doute, non putain. Non, non. Pour moi non, mais j'ai quand même un doute. Donc pour la Twilight Forest, pour pouvoir y aller. Alors il faut savoir que le serveur risque de crash, c'est tout à fait normal, ou d'avoir des gros lags le temps de l'ouverture, ça va générer le monde de la Twilight. À l'intérieur de la Twilight, nous avons trouvé pas mal de mobs que nous n'avons pas, notamment des boss, un boss serpent, enfin c'est pas un serpent, c'est un... Comment on dit ça ? Un hydre. Ouais, mais il y a un serpent aussi, un... Merde, comme dans Harry Potter là, un... Basilic. Un basilic, merci. Un basilic, il y a une hydre, il y a un minotaure, il y a plein de nouveaux arbres, il y a pas mal de trucs. Alors, il faut savoir en termes de tenue de serveur, disons-le tout de suite, que la Twilight Forest est carrément de la merde. Souvent, vous verrez beaucoup de gens qui ont des serveurs couper la Twilight au bout d'un moment parce que ça génère énormément et que ça peut tiquer un serveur. Pas de panique. Moi je panique pas. Ah oui, c'est pas grave ça. Donc pour ouvrir la Twilight Forest, il va d'abord falloir de l'eau à l'intérieur de ce trou. Donc un trou de 2 par 2 dans lequel vous mettez une source d'eau. Hop là, ça c'est fait. Donc une fois que cette source d'eau est faite, on va agiter un diams. Mais avant, alors non. Moi j'aime. Il manque un truc. Bah, oui. Il faut laisser finir la masse. Fait. Oui. Ah, oui. Donc alors on a deux versions, la version Oliver, la version Click. La version Click, c'est on met 12 oak saplings autour et je vais tester si elle marche parce que pour moi elle marche. 12 pouces d'arbres. Et pour Oliver et Hero, ils disent que c'est à la paupille aux dents des lions.
Moi, je te dis que c'est grave, t'as qu'un diamant, hein, t'as qu'un refrain. Bah, c'est pas grave, au pire, j'en ai. Hop, on va tester. Mais ça marche pas, ton diamant, tu le récupères dans la flotte. Tiens, ça marche pas, Maurice. Allez, bim, portail de la toilette ouverte. Donc, ça marche au pouce de bois. Ouais, c'est n'importe quel pouce que t'entoures, en fait. C'est n'importe quel pouce que t'entoures, je pense. Des arbres, du coup, ils poussent pas, quoi. On s'en fout, c'est joli comme ça. Attention, je vais y aller. Vous êtes prêts? Ça va cracher! Le mec, il fait ça quand même au moins 10 minutes avant la pub. Oui, j'ai même pas le je suis rentré un quart de seconde après toi et j'y c'est normal, seul le premier va générer. Moindrement, je devrais pas crasher le serveur. Moi, je devrais y être. Je suis pas rentré, moi. Alors, dans la toilette forest, il faut savoir qu'en tant que vampire, normalement, si tout se passe bien, nous ne sommes pas... Hop là, hop là, hop là. Ça va être le temps que ça charge. Je suis en train de tomber dans le vide. Ouais, pareil. Hop là, c'est bon, on y est. Oh putain, ça commence bien. C'est quoi, c'est cracra? Je sais pas, mais je rentre pas dedans. Quoi, c'est bon. Alors, est-ce que quelqu'un en est de la cobble qu'on se fasse une... Oh, c'est dégueulasse ici. Ah, la cobble, c'est pas fini. T'as Manu, Alex. Oui, mais donc normalement, je suis en train de vérifier, mais normalement, nous ne pouvons pas brûler dans la Twilight Forest. C'est impossible. Bon, on verra quand il fera jour. C'est quoi ce truc où on dirait des nuées de sauterelles Je crois que c'est des sauterelles, rentrez pas dedans. Oh, je suis dedans. Dans la Twilight, il y a toujours des... Hein? Quoi, merci Alex. Pas ce truc, on dirait des nuées de sauterelles. C'est une nuée de sauterelles. Et toi, tu veux des problèmes ou quoi? Là, c'est vrai que ma sorcière TP. Attends, je récupère de la cobble pour essayer de construire un truc en bouse en fait. Bah, il faut que je sois en pour péter la. De la cobble, tu me l'as dit. Oui, je prends de la cobble. Et Michel, qu'est-ce que j'ai dit juste avant? Ah, c'est cool, j'ai les sorts. Non, Ken, c'est quoi ça? C'était une nuée de sauterelles. Juste avant. Non, j'ai dit, ça serait bien si quelqu'un a de la cobble qu'on fasse un espèce de. Mais moi, comme je suis pas, je peux ramener de la cobble. Oh, il y a des petits lapins. Ah oui, il y a plein de nouveaux. Attends. J'aurais dû prendre plus qu'une safari. Ouais. J'ai deux safari nets. Oliver, les lapins. T'as rien vu. T'en fais 400, tu les mets chez Kiwi. Non. Ça va, les entités, il y en a déjà beaucoup. Non, mais je dis 400. Moi, je prends une. Je dis 400, ça peut être 600, quoi. Un petit oiseau. Je prends une autre pièce de chaque. Elle est à Noël? Ah oui, non, c'est à toi. De toute façon, on la ferme pas, on peut y retourner après. Oh, les animaux. Je vais mettre un waypoint quand même. Ouais, pareil. Alors, du coup, chez toi. Portail. Faut juste que je trouve le portail. Il est dans une des ailes. Tout au fond? Ouais, dans une. Celle en face du portail de Nazar? Non. Non, il est dans un des salles avant. Je veux un piaf. Les piafs sont jolis à emmener. Hein. Putain, j'ai pris qu'une safari. Ah, j'ai trouvé, il y a des champignons qui ont poussé. Ah, c'est quoi ce bordel? Ouais, grave. Eh, salut, Poupi, jamais. Eh, salut. Elle dit, on m'a dit que t'étais rentré de la Twilight Forest. Ah, j'ai la Twilight Forest, la Chava. Je sais pas si le serveur morphe, en fait, mais ça a l'air d'aller. J'ai jamais vu, alors. Il faut que t'ailles chez moi. Ouais, je vais faire ça. Attends, je rentre dans le nez. Et dedans, tu trouveras un portail avec plein de pousses d'arbres autour. Oui, il y a une boue. J'arrive. Putain, dès qu'il va faire jour, moi je vais. Attends, faut que je bouffe quelqu'un là. Mais ça risque rien. Viens là. Mais non, fuck, je peux pas le manger. Je vais manger le lapin. Vas-y, rien à foutre. Mais ta sorcière là, tu peux pas la. Moi je veux bien. Non, elle se mange ça pas. Ça me dérange pas. Je veux bien que vous me suciez, mais dit comme ça, c'est un peu pas bien. Oui, Poppy, tu mais disais. Par contre, j'aimerais bien que vous me transformiez pas en vampire. Mais non, ça on choisit. Il faut que tu boives quelque chose pour que. Ce qui donne du sang, le lapin. Viens ici. Ça va, je veux bien faire le sac de sang. Non, je pense pas, si te montre pas une barre de sang. Non, y'a pas de barre de sang. Ah putain, t'es sympa. Ouais, ce bloc. Il fait un peu trop par contre. Ouais, y'a un bloc de lapis ici. Merci. Putain, je viens de capter, je suis. Y'a tout le temps des blocs de lapis. Nourris-toi, suce-moi. Donc y'a plein de donjons, vous allez voir dans le Twilight, y'a plein de choses, oui. Oui, c'est tout. J'ai mis le bouffer le bien. Attends, on attend Jacqueline. Jacqueline arrive. Hein. Attendez avant d'explorer, les gars. Je suis juste là, juste au-dessus. J'étais au portail du Nether par rapport à votre portail du Nether. Attends, je reviens. Je vais venir te guider. C'est l'espèce de grande église. La grande église. Je vais venir te guider. Hop. Ah, t'es dehors? Ok, j'arrive. C'est un biome courant. Oui, on a vraiment pas de chat. On tombe à côté d'un. Tu dois avoir une transposition des biomes. Oui, tu vas dans le cimetière de mon église. Ok. Dans le cimetière. Je suis dans le cimetière. Tango Charlie Alpha. Je suis dans le cimetière. Depuis trop longtemps. Salut, ça va? Salut. Suivez-moi. Oh, tu es beau. Ouais, je sais. Vous descendez, hein. On dirait Karl Lagerfeld. Chez moi, oui, vous m'avez attendu.
Avec un chapeau, il te faudrait des petites lunettes de soleil, tu sais. Remarque, pour un vampire, ça serait légit, les lunettes de soleil. Putain, tu marches vite, toi. Ouais, je vais trop vite. Ça fait partie des pouvoirs de vampire que tu peux activer. Plus de petits cavaleurs. Non, non, ah oui, ah bah voilà, c'est un mari, apparemment. Ah oui. Oui, jamais je lui fais plaisir. Venu, hein. Oui, alors, monsieur, c'est Faites attention, hein. Ces vampires pourraient vous manger. Attends, est-ce qu'il m'en récupère un peu de sang, là? Je vais voler. Putain, mais il fout jamais rien. Hein. Attends, je vais tuer un villageois, comme ça j'aurai une réserve de sang. Au pire, boule, t'as ah oui, mais monsieur, c'est quoi ces murs, là? Je vais voir. Oh oui, il y a des trucs qui sont pas finis. Non, je vais pas creuser. Ah, ça c'était captif. Ouais, allez, suivez-moi. Est-ce que tu suis souvent Elvis du coup? Oui, bah je suis vrai. Pardon. Se voir quoi, vu comme ça. Donc ici, venez, suivez-moi. Et vous allez sauter. Oui, je vous suis. Dans le portail juste ici. Voilà, okay, là-dedans. Ok, mon capi-chef. Voilà. Quand tu vas arriver de l'autre. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il voulait pas me prendre. Sucer, prendre. Que du bonheur. Donc, une fois que vous êtes là, n'hésitez pas à mettre un waypoint hein, pour vous rappeler que. Ouch, pourquoi j'ai pris un dégât? Parce que je crois que j'ai fait parce une connerie. Parce que c'est trop bon dans la matière. Ah, d'accord. Ah, oui, très bien. Ah, oui, le petit waypoint. D'accord, très bien. Oui, oui, oui. La bonne. Un repote. Ah, oui, c'est bien. Je croyais que c'était dans le jeu. Je dis, nom de Dieu, il y a quelqu'un en moto. J'en veux une. Et qu'est-ce qui se passe? J'en veux une. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah oui, il y a du bitcoin. Twilight a bien changé. Bonjour. Twilight a bien changé, il y a des motos. Alors hop, bon allez, on va l'explorer ça. L'idée pour moi c'est de trouver un Minotaur. On part où? Plein ouest? Je vous suis. Quoi? Ah mais le nuage de sauterelle commence à bouffer la fin. Ouais, allez. Ça a une tendance à. Oh, il est cerf dans la forêt, un grand cerf. C'est mystique, je crois, c'est pas de sauterelle. Salut Bambi, ça va? La forme? Il est piqué. Oh, ils sont trop. Oh non, non, attends. Allons. Prends-en une dans sa farine, il va faire un zoo l'autre. Non, le bouc. Putain, j'ai pas pris mes Golden Lasso, j'ai décodé, j'aurais dû. Ils sont trop beaux, les cerfs. C'est vrai que j'ai mes Golden Lasso, moi. Je sais pas ce qu'il y a dans les maisons. Ah, mais ils sont trop beaux, les animaux. Là-dedans, c'est un spawner à druide squelette. Pourquoi on a pas des petits. Mais attends un petit peu parce que tu vas en voir plein. Oh, des petits oiseaux. Mais c'est vrai que je mettrais bien un bouc, moi. Putain, ça y en a Cendrillon. Fou nous le camp. Je voulais les tuer, je voulais les attirer. Ah, c'est les druides squelettons, ils sont chiants en plus. Donc il y a plein de nouveaux bois. Oui. Oh, tiens, regarde, il y a déjà une. Il y a des nouveaux bois. Les Fire Flat Jars, ça c'est sympa. C'est quoi ça, ces arbres-là? Ces bois-là sont plutôt stylés. Ouh. Ouh. Ouais. Moi je pars direct à la recherche d'un boss. Hein. Est-ce que Fire Flat Jar, ça vous dérange pas? Les cochons ici. Ces arbres-là, on peut les faire pousser dans l'Overworld ou ces chopatins? Oh, les cochons. Je ne sais plus si tu peux faire. Pousser, Écoute, je vais ramasser normalement, les pousses oui. Au cas. Normalement oui, mais c'est ici notamment où tu trouveras les Firefly. Très sympa pour la lumière non, en fait, tu les verras sur les arbres, tu les récoltes. Oui, j'en ai vu. Et, oui, et après tu peux les reposer mignon. Où tu veux. Oui, c'est mignon. Et ça oui, sert de lumière, c'est vachement sympa. Je vais sympa, peut-être ça. Vomir. Pourquoi tu vas vomir? Ah, c'est quoi je vais peut-être vomir. J'ai le cœur qui palpite. D'accord. C'est quoi cette forêt d'arc? Waouh, wow, il y a une forêt dense. Pourquoi tu veux? Je sais pas. Avec des. What the fuck? Juste après là. Ouais, ouais. C'est trop cool. Ah oui, on peut pas y aller, je crois. Je crois que c'est. Okay. Bon, non, moi je peux pas y aller. Des fois t'as des effets. Ouais, ouais, mais là. Pas ah ouais, non, non, je vois les effets noirs, ça s'attend pas. Bah, ouais. C'est parce que ah, ça bah, se débloque oui. En fait, oui. Suivant non, les boss que tu tues. Il y a des écureuils, ma gueule. Pardon. Tu rentres dedans, t'es complètement blind. Oh, oui, bah ouais, oui. C'est... En fait, t'as des biomes qui se débloquent comme ça suivant les boss que tu tues. Je les boss à tuer dans l'ordre. Ouais, je vais direction l'est. De toute façon, il va falloir qu'on trouve des boss, ça c'est non négociable. Il va falloir qu'on trouve du boss. Pour pas faire la guerre. Ouais. Je vais moi, direction j'essaie est. De vous suivre, mais je ramasse des fireflies puisque tu m'as fait remarquer les fireflies. Ah, les fireflies! Oh, t'es... Ah oui, t'es là. Ouais, je suis derrière toi, Les fireflies, ouais, c'est sympa. Je ramasse les grillons, ça fait du bruit. Ça fait du bruit, ouais, mais ça fait de la lumière des... aussi. C'est sympa. Des petits sangliers. Ouais, j'en ai pris. Ouais, mais c'est marrant, c'est quand tu les caches. Ah, vous êtes là-bas. Les personnes, elles entendent. Ah, bah voilà. Ah, bah, ça, c'est beau, ça. Et ça c'est chaud, attention, je sais plus ce que c'est là, cette barrière-là. Je ne sais plus. Ouais, non, mais c'est bloqué. On n'a pas fait le boss, il faut faire le basilic d'abord en fait. Ouais, faut qu'on trouve le basilic. C'est le basilic en premier? Ouais. 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 Donc là, faites gaffe à la barrière parce qu'elle est pique. Hein. C'est donc ça, ça doit être un deuxième ou troisième boss. Dans un moins 800, moins 800. Faites gaffe aux barrières. Hein. Si vous voyez les trucs lumineux, vous faites pas. Vous passez pas. Moi, je ramasse. Ah, il y a des petits slimes. Eh, mais les cerfs là. Tu sais quoi? J'ai l'impression qu'ils l'ont vachement retravaillé la Twilight. Par rapport à la dernière fois où j'y suis allé. Oh putain, grillon. On va être obligé de passer dans les grillons ou c'est une blocage? Il y a plein de blisses dans les arbres. Je passe à droite. Hein. Ça te bouffe la fin. Ah ouais. J'essaie de contourner. Biome, un espèce de biome désert. Bon, en tout cas, il fait jour, vous voyez, et on perd pas de. Dans la Twilight, en tant que vampire, on risque rien. C'est un monde démoniaque. Je vous ai perdu, et là, par contre, ça lag.
Oh là là. Moi, j'ai pas de lag, moi. Il fait nuit, général. Ah non, il fait jour. J'essaie de vous rejoindre. Il fait nuit. T'as une night vision, Alex. Ah, peut-être. Ah non, non, moi, non, j'ai pas la night vision, mais il fait jour, en fait. C'est une nuit-jour. C'était... Moi, j'ai la cloque, il faisait jour. On est sur la fin du jour, là. Ah, ok. Alors. En fait, c'est une nuit permanente. C'est des rubbers. Ah, là-bas en face. Mais ah, là, il y a un espèce de truc. Ouais, c'est... il y a un basilic là-dedans. Vous êtes où? Mais on va attendre tout le monde. Voilà, le basilic, ça commence bien. Oui, il est là. L'endroit est magnifique. C'est un naga. Oui, ça, il vient d'apparaître. L'endroit est vraiment magnifique. On va attendre Pop pour le faire. Oui, attendez. Mettez-vous en hauteur, le naga, il vous fera pas trop chier. Vous avez dit 800, moins 800 à peu près? Moins 250, moins 1012. Ouais, moins 300, moins 1000. Moins 250. C'est mieux. Je trouve, en fait, cet endroit est vraiment magnifique. Tu peux pas le rater après. Ouais. T'as presque envie de faire un portail de retour pour après faire d'ici ton arrivée. C'est un gré tout ça? Attends, je me suis fait attaquer par un truc. Ah, il y avait un blazer, ok, d'accord. Par contre, soit il m'a fait. Il est dégueulasse le naga. Soit mes canistas fonctionnent pas là. Ouais. Ah, il y a des lilipads! C'est comment faut le tuer le naga? Faites très attention, dans la Twilight Forest, les mobs font extrêmement mal même si vous avez une bonne armure. Hein. C'est... Ils ont beaucoup d'effets, beaucoup de. Oui, ils cassent tout. C'est quoi tout les espèces. C'est un biome corrompu, les espèces de nuages noirs là? Ouais, ouais, c'est des insectes. Les moutons de couleur, ouais, c'est stylé en moutons de couleur, comme ça, en bélier. Moi, je les trouve stylés, les béliers, là. Ils, ils mangent tous, bâtards. Les petits bouquetins. Les petits bouquetins. Oh, c'est quoi, ça? Je vais attaquer ici. Pardon, si, j'essaie d'arrêter de... Non, c'est moi, j'ai... M'extasie. Il a pris cher, ce con. Il tourne autour, là, c'est ça? Ouais, ouais, il est bloqué sur toi. Là, oui, ben. Je vole, je vole. Il va partir sur moi. Je me raccroche à la vie. Il y a des lapins dans les arbres. Tout va bien. C'est sympa cette... Ah, vous êtes par là. Ouh, il y a un naga. D'accord. Oui, bah c'est ça. On est là. Oh, comme il est... On dirait... Putain, on dirait une grosse chenille pas belle, quoi. Oh, il prend cher. La queue d'abord. Comme non. Si vous lui coupez sa queue... Comme non, les... Voilà, il va prendre cher. Il doit aller où ça? Bonjour. Oui. Non, tu m'as pas vu. Aïe. Oui, j'ai mis un coup. Faut pas passer devant. Oui, il va falloir changer d'épée, les gens... Ah, faut juste pas passer devant, hein. Je t'ai pas en zone, hein. C'est juste que t'es passé juste devant moi. Alors moi j'ai... Ah, putain, mais tu vois les rapides du loot, quoi. Non mais moi j'ai rien, je m'en fous en fait. Dans les loot, la seule chose que je veux, je vous le dis, c'est la maze map focus. C'est la seule chose que j'ai besoin, la maze map. Le reste, je vous le laisse. Des petites bêtes là. Merci. Regarde les trophées, moi. Tu peux, hein. Ça se refait, hein, des boss de la Twilight. Moi je veux des têtes. Le corbeau est classe. Et ça c'est quoi? Ou normalement... Ah oui, non mais... C'est quoi ça? C'est qui l'a tué? C'est un oiseau? Ouais, c'était un corbeau, je l'ai pris. C'est qui l'a tué en dernier? C'est l'un de vous deux. Je crois que c'est moi. Le dernier coup, ouais. C'est peut-être moi. Pour moi. Tu vas vite le voir. Tu peux avoir accès normalement au truc. Mais il y a que toi qui aura l'accès. Château? Ouais. Il y a que celui qui tue qui a l'accès. C'est le château après? Les King Slime. Il me semble que c'est le château après. Attends, on va aller voir le château. Regardez si je retrouve le. Le château, il faut revenir vers le portail. Après, ouais, il faut esquiver la. Il va y avoir la passer le biome. Wow, Dark Forest! Ah ouais, elle est pas cool. Tu peux pas rentrer dedans. Ah, ouais, ah, c'est ça. Tu navigues à vue, c'est pas très grave là. Tu risques rien à part. Peut-être Fox. Ça doit être Fox qui l'a tué, je pense. C'est j'ai pas compris ce qui s'est passé. C'est normal en fait, tu vas. T'es dans la forêt. Ouais, moi je peux pas. Oui, il y a plusieurs nagas. Ah non, moi je peux. Ah bah c'est toi qui l'a tué. Ah non, non, je peux pas. Non, c'est. Il est où le. Il est là où on est. Vous êtes où? Il y a la barrière. C'est peut-être moi, j'ai pas la barrière. J'ai pas la barrière, c'est toi qui l'a tué. Alex? Ah, ça m'emmerde. Aurait fallu que ce soit moi en fait, dans l'idée. Faut trouver un autre naga. On trouve un autre. Ouais. J'ai plus de barrière non plus. Ah, si, 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 bien comme il faut. Si, 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 c'est jusqu'à charge. Mais ce qu'il y a, c'est que. Il se passe quoi quand tu passes la barrière? Bah, le boss de la forteresse. Oh, comment c'est mignon. Mourir au bout d'un moment. J'ai pas l'impression qu'il y ait un effet. Le boss de la forteresse, faut être solide, les gars. Ouais, ouais, le boss de la forteresse rigole pas des masses. Je mets mon loup-garou, je prends des dégâts. En tout cas. Faut qu'on trouve un autre naga. Bon, on va y avoir la pub de toute façon entre temps. Et on va trouver un autre naga. On va faire ça. On va voir au sud. Bah, pendant que vous allez voir au sud, moi je lance la pub. On se retrouve juste après. On est ensemble jusqu'à 14h aujourd'hui. Oui, pas 15h, mais 14h. Vous ne quittez pas. You don't quit. Hein, because we are coming to in a few seconds. Yes, with my English. Et on revient juste après, mesdames et messieurs. À tout de suite.
Il est midi 48 et vous voyez toujours Gaming Live, la web TV de jeuxvideo.com. Je suis Click, vous êtes les viewers, nous sommes le 14h. Non, pas 15, mais 14 exceptionnellement. Mais c'est pas grave, on se retrouvera demain aussi. On est dans la Twilight Forest en tant que vampire, compagnie de Fox, Doro, d'Oliver et de Pop. On est là au taquet. Et Fox, apparemment, on a trouvé un. Ok, je sais pas, je suis Oliver, il a l'air d'aller, d'aller par là-bas. Non, je sais pas où il va. Moins 200, 1700. Putain, comment tu cavales vite, toi, en l'air? Attends, j'aurais dû... tu puisses... Dans la limite, qu'on en trouve un autre, si... Moins 200, 1700 ouais. Moins 200, moins 1700. Ah, moins 1700. C'est-à-dire, par rapport à l'autre, tout droit. Pou-pou-pou-pilou. Ouais, c'est vraiment dans les biomes forêts. Ah oui, c'est forêt. Tu prends l'autre, on prend l'autre et tu vas tout droit. Alors, ça dit sur le chat, il faut que tout le monde prenne le trophée. Ouais, il faut qu'on tue tous chacun le tour en fait. Il faut ça, qu'on. C'est chacun, faut qu'on. Mettre le dernier coup. C'est le kill qui compte. C'est pas le. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la progression, t'as les deux premiers donjons en fait qui se trouvent dans les forêts. Donc le Naga et la Twilight Leash. Donc dans les tours qu'on a vu là. Sérieux toi? Et ça se trouve dans les forêts. Et après, tu passes sur d'autres biomes. Là, il y a des biomes par exemple où la pluie a fait des dégâts, où il y a la neige. Oui, voilà. T'as de la pluie acide. Ça se débloque au fur et à mesure. Et le troisième boss, c'est le. Ce qui est sympa, c'est que la Twilight en elle-même est déjà une aventure en fait. Et c'est sympa. C'était pas du tout comme ça nous, quand on l'avait fait. Non, ça a bien changé. C'est bien, tant mieux, parce que la Twilight en fait était plus générateur d'emmerde qu'autre chose. Et là, c'est stable, hein. Je regardais le serveur, il a aucun souci pour l'instant. Oui, c'est de l'explo standard, après ça, ils ont retiré la quantité d'armes. Moins 200, moins 1500 1700. Tiens, tu prends par rapport à l'autre, tu es toujours c'est... tout droit. Ah oui, non, mais on continue, c'est juste c'était la deuxième coordonnée que je t'ai pas. Ouais, moins 1700... Oh, ouais, je te vois. 50, ouais. Voilà. Je ne trouve un portal gun, je ne l'utiliserai pas. Voilà, on part sur un deuxième Naga. Naga. Je vais le faire, j'analyse les nodes. C'est qui le mec avec la voix de Sylvain Durif? Bah je sais pas la voix, quelle voix est là, mais... Quoi. Sylvain Durif, c'est pas... c'est pas vraiment... Si, mais si tu chopes la queue, c'est bon, hein, c'est pas... Chope plus la queue, vas-y. Oui, c'est tu coupes devant cette queue, en fait. Hein. Je vais t'aider un peu. Voilà... Bah alors, pourquoi un il veut pas? Il y a du lag. Ouais, ça lag, oui. Faut lui casser, c'est pas le plus dur, hein, le Naga. Ah putain, je me fais cramer la gueule. Faut lui casser la queue. Surtout quand tu voles, en fait. Et le Naga fait pas si mal que ça. Je te laisse finir. Ah ouais, mais vous me faites traverser un biome qui me brûle la gueule, là. C'est pas cool. Ah, il y a un hydre en plus, il y a une hydre. Ça lag un peu, là, le serveur, voilà. Hop. C'est de survivre à la pluie acide. Un Naga Trophy. Putain, mais ça, je m'en fous. C'est pas des masses en multiplayer. Non, mais c'est pas trop ce que t'attends de lui, quoi. Regarde, Alex, j'ai trouvé ça, moi. Du Naga Scale, je sais plus ce que tu peux faire avec le Naga Scale. Une armure, sûrement. Oui, c'est des armures, c'est des écailles en fait. J'ai trouvé ça. Oh lol, mais il est ouf le truc. Ah, mais ça, faut les. Il y en a pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Et je crois que tu peux pas le. C'est considéré comme un boss ou un truc comme ça, tu peux pas le reproduire. Bon, moi c'est bon, je vois, on en trouve d'autres, hein, mais... Pas le capturer en safari. Il y a une mission à faire avec ça. Hein, ouais, moi je vais le garder de côté. On a moyen de capturer un Naga avec sa... Non. C'est un boss, tu peux pas capturer le boss. Moi ce que je veux choper, c'est les... Alors je sais plus où ils sont, mais c'est les... Les Minotaurs. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est le donjon level 3. Ouais, c'est ça. On va faire le level 2. Bah non. Juste ici, tu me suis. Tu veux qu'on fasse le 2, on va se faire défoncer. Truc, attends. Vous allez nous faire Oro, tu bouges pas. Hein. Descends. On se met en loup-garou, non? On va survivre. Tu t'inquiètes pas. Voilà, merci. Non, je me mets pas en loup-garou, je reste en vampire. Je vais passer loup-garou. Transformation des loups. Vas-y, fais à où? Pour voir si t'es bien loup. Oui. J'ai vu de mon inventaire en bas, ça évitera que tu perdes tout. Mais blind, arrête de crier, Fox. Moi je suis pas soumis, je suis le gars. Pourquoi j'arrive plus à voler? C'est parce que Fox. C'est normal, il vient de crier. C'est Alex et maman. Et tu vois par exemple, un Turk Vampire, elle est où Pop? Elle est où Pop? Oui. Non, oui. Mais non. T'inquiète pas. Il va me croquer. Mais non, j'avais pas de croquer. Mais viens ici.
Je sais pas. Pourquoi non? Là, je peux faire de toi ce que je veux. Là, je peux te croquer un peu, là, tu vois, comme ça. Aïe. Là, si je peux le faire, moi, en tant que... Pourquoi, oh, par lol, contre... Un loup-garou qui mange du sang. t'as des dents depuis. On dirait que t'as des grosses dents. Si je pouvais faire quelque chose, manger pour pas mourir, ça serait gentil. Vas-y, je te suis, Fox. On va tenter ça pendant qu'il cherche d'autres nagas. À l'est, et bientôt, tu devras l'avoir. Non, on va pas générer. On va rester à côté de lui. On va aller vers à l'est, on a déjà deux nagas. Pom, il est juste là, donc ça a dû virer les barrières électromagnétiques statiques. Alex, sorcier, loup-garou, vampire. Ouais. Non, normalement, t'es rentré par où? Il faut commencer par en bas. Ouais. Et monter au fur et à mesure pour aller tout en haut. Oui, enfin, normalement, tu pètes le toit et puis j'en ai vu un autre. Bah ouais, mais on va faire le truc en. Faut le faire en wellplay. Alors. Cherche une entrée en bas. T'as vu, il y a le biome derrière en ronce là. Il est pas lancé, hein. Ici là. Il est pas beau. Il est pas beau. Stylé. Ah, je le trouve tout caca. Je sais pas, on va rentrer par là. Ouais, un squelette à l'intérieur. Sauf qu'il pleut méchant. Mais... Ah bon? Oh, y a des livres qui m'attaquent, nom de Dieu! Je me fais attaquer par des bouquins! Je laisse péter les. Il y en a qui par des bouquins. Non, on pouvait les casser. Hein. Ah, monsieur, je vais casser. Ouais, mais. Allez, mais tu peux rentrer, toi, en fait, Liver? Bah, moi, je prends 0 dégâts, mais je pense que si t'as pas l'armure. Là. Parce que c'est pareil, je perds pas de bouffe dans le. Plein, la magie qui petite me fait salle ça. Ici, il y a du bouquin qui me. Je prends 0 dégâts. Laisse-moi là. Tranquille. Non, non, mais je peux rien casser, moi. Ah non, c'est non, ça, non, en fait. Non, en fait, c'est protégé, on peut pas casser, on peut pas ouvrir, on peut rien faire, nous. Ouais, au moins, vous pouvez suivre. On peut même pas tuer les mobs. De toute façon, faudra qu'on en fasse deux comme ça. Hein. Mobs, en gros, dans ce monde, toutes les pluies t'agressent la gueule. Quoi. Non, c'est juste que c'est des zones où je me suis paumé, je crois. Tu n'as pas à aller. Moi, je suis resté dans la salle, en fait, je suis monté. Je sais pas où je me suis paumé. Ah, par là. Tu reviens dans la salle, vas-y, défonce-le. Ah, bah, la liche, elle est là. Ah, bah, j'arrive, attends-moi. Je me suis paumé. Moi j'ai visité et tout tranquille. T'es où? Bah, je sais pas, je suis non, là. Non, reviens. Mais t'es où? Il veut essayer de monter au-dessus. Oh non, mais je reviens pas là-haut. Je reviens par les fenêtres. Elle est pas là-haut, la liche? Elle est là-haut, la liche? Tout droit là-haut. Elle est à l'extérieur. Je la vois à l'extérieur. On voit la vie. On voit sa barre de vide partout. Elle passera pour le fou, pas qu'elle nous arrive. Bonjour, ça va, la forme? J'ai pris cher. Ça, c'est vrai qu'STP. Ça, c'est que le tard ouais, parce que t'es en loup-garou. Si t'étais pas en loup-garou, t'aurais pris tarif. Là, je sais plus comment on lui enlève ses. Ah, faut lui tuer ses nécros avant. Mais tu pourras lui faire du dégât que d'une façon. Ouais, je sais plus. La liche. Mais ça sert à rien de taper dessus. Tant qu'elle laisse ses boucliers. Le calme bas. Je vais péter un bouclier déjà. Faut qu'elle se tire dessus en fait, faut se mettre devant et qu'elle se bombe. Faut l'obliger à se bomber, non? Alex, il jette ses trucs pendant le combat. Ouais, moi je. Surtout qu'il va trop ramasser parce qu'il a tout jeté au milieu. Non, non, j'ai laissé Fox passer, comme ça il a ramassé. Faut qu'elle se tire dessus, ouais, faut se mettre. Mais en vrai, tu prends des dégâts donc il faut pas que ce soit toi. On prend pas trop de dégâts. Je prends rien du tout, j'ai mis 100 PV, je prends 0 dégâts. Allez, tu vas dans le coin, Jacqueline. Bah. Là par contre, ah oui. Prolague. Nous on bouge pas là. On est à côté. Moi je suis dehors. Plus qu'un bouclier, et puis après on la déglingue, ouais, c'est ça. C'était ça, Oliver? Ou on a trouvé une nouvelle technique? On va renvoyer ces boules. Ok. Ah non, il lui reste un. Bon, en vrai, il faut éviter. Je me cache derrière, mais. Pas d'attendre qu'un, ouais. Je me cache derrière en attendant qu'il lui tire dessus, en fait. Alex. Faut se cacher derrière, celui qui tire dessus. Bonjour, on est des débiles. Voilà. Ah bah non, toujours en bouclier. Bah Jacqueline. Moi je la regarde et je me prépare loin, à renvoyer ses balles. Un peu plus loin, parce qu'en fait je crois que l'explosion... Ah, ça y est. Aïe, c'est moi. Tarif.
Oh, lol. C'est toi ou c'est moi qui l'ai tué? Je sais pas. C'est pas toi, tu prends pas le Minotaur. Bon, on a un autre. Enfin, par contre, j'ai pas de place dans mon inventaire. Bas. Je suis invisible. Ah, c'est une vraie glace de protection. Je l'ai bien invisible, Fox, vous le verrez quoi, plus. C'est quoi ces épées de fou Attends, je fais mal. Ah oui, je suis invisible aussi, merci. Ça me fait plaisir. Attends, je vais me débarrasser de m'en ça. M'en fous. T'as un trophée normalement. Ouais. Ah, donc c'est toi qui l'as tué. Non, c'est parce que j'ai sauté sur les loups, c'est tout. Putain, mais c'est vraiment une raclure. Il sait que je suis en live, mais c'est une putain de raclure. Moi, je fais plus jamais équipe avec client. Je veux changer d'équipier. On serait policier, il me laisserait me faire dézinguer. D'un coup, je l'ai vu morte. Et c'est quand j'ai été dessus. Donc, j'ai pas vraiment. Bon, allez, on va faire le prochain. Tu veux emmener des livres ou des. Tiens, moi, je vais piquer des peintures. C'est vrai que c'est très dur à craquer. Ouais. T'as les petits lapins, ils sont mignons. J'y pique ses peintures, Jacqueline. Non mais il les prend, c'est parce qu'il sait pas comment le faire. Bah ouais. Ça me saoule, c'est les crafts basiques, ça m'énerve. En plus ils sont pas dégueux. Je redescends. Comme ça, dans ma crypte je mettrai des peintures. Oui. Faudrait qu'on le trouve, voir si c'est vraiment moi qui l'ai tué ou... Parce que je sais pas si c'est vraiment moi qui l'ai tué ou si c'est... Parce que je t'ai dit, je l'ai vu mourir instant là. Tu aurais trouvé le donjon d'après pour savoir qui. Ouais. En fait, après c'est Minotaur. Il restait 90% de ses PV et puis d'un coup je l'ai vu mort en fait. Pour l'instant. Je sais pas si j'ai eu un gros lave. Mais il m'a rien mis en tant que loup-garou. Où Alex? Je suis là. Je sais pas où ils sont passés. Parce que je suis invisible en fait. Je suis juste à côté de Pi. Ah oui, vous êtes invisible. On a vu combien de temps encore? C'est fini. Ah, je crois que je pétais la stone à main nue. Ah, t'es là, ouais. Ça marche pas pour l'âme aussi? Non, c'est pas toi. Oui, c'est toi. Non, parce que ça m'a saoulé de trouver une porte. Bon, magnifique. Il faudrait qu'on trouve ou celui d'après pour voir qui c'est qui l'a tué. Bon, je m'en trouvera peut-être un aga. Hein. Alex, tu feras gaffe, t'as une flèche dans la tronche. Ouais, c'est normal, c'est de la lipo. Compliqué. Tu fais de l'acupuncture. Alex, c'est toi qui as tué car t'as eu un achievement. Ah bon, moi j'ai pas fait gaffe, apparemment je l'ai tué, j'ai eu un achievement. Je trouve les Minotaurs. Je mets mon Minotaur dans la safarinette, on est blindé en diams. Je rince tout le serveur. Qu'il faut. Ouais, mais tu les trouves au fond du donjon. Bah oui, tu crois pas. Le mec il est pas devant quoi. Yoris. Et les Minotaurs ils sont dans quel biome? Pomp. Une deuxième tour, mais on aurait fallu trouver un naga en fait pour ceux qui n'ont pas fait le naga encore. C'est la troisième tour. On en a une quasiment au portail. À 600 mètres du portail, là il y a un machin, donc ça il faut qu'on vous trouve du naga ou qu'on le refasse en fait si Fox veut refaire là pour tuer. On peut monter directement vers Jacqueline. C'est les tours, j'en trouverai, c'est pas un petit. Non, mais en fait. Sinon, on rechat tout seul, je peux faire un 1-1. Si vous trouvez les Minotaurs, vous pouvez juste me suivre et regarder, et moi je le déglingue. Mais je suis dans le biome simple. Mais ça dépend en fait, à chaque donjon t'as un truc. Donc y en a où tu peux pas entrer du tout, il y en a où c'est juste tu peux pas casser le bloc, il y en a où c'est où lequel le swamp. C'est là où il y a Champi. C'est à côté de la tour, là où je suis parti. Attends, t'es où? Vous avez pas dû me suivre? Il y en a en bas, biome. Twilight Swamp, ouais. Ah, c'est ça le bon. Il est où Fox? Il est là-bas? Fox, il est là. Un peu au nord-ouest. Il est là. Il est là. L'air d'être ça. Ouais. Cherche un labyrinthe, toi. Bah, t'imagines bien que le Minotaur, oui. Ah ouais, mais là, une espèce de dôme, en fait, avec 4 entrées, donc je suppose que c'est ça. Ouais, ça doit être ça, ouais. Oui, bah oui. Non. Non. Oh, je vais entrer dedans, je vais aller. Bonjour. Les dômes, c'est des. La maze. T'as plein de spawners et. Voilà, c'est joli, les routes. Et à l'intérieur, par contre, c'est l'autre que tu peux avoir dans des coffres, la map. Mais il y a une fois. Non, bah attends, il y a un coffre aussi. Le truc qu'il te faut pour forcer la. Alors attends, je regarde si je trouve pas le. Un coffre ou quoi. Ah bah, Minotaur. Avec la hache en or. En or, c'est pas bon. Non. C'est pas celui-là. Non. Mais, du coup, c'était un Minotaur. Escarabée slime.
Moi je me fais défoncer. Vous allez faire la barrière là. Oh mais lol. Vous allez mourir. De quoi? Non non, moi je veux pas mourir. Vous avez Hunger. Hein. Ouais, mais en tant que vampire, moi il me fera Hunger 3, ça va, ça devrait le faire. J'ai pas Hunger. Ça dépend où t'es en fait. Vous êtes où? Non, je voulais choper un coq. Moi c'est 150, moi 1500. Ils ont les haches, mais en or. Oh, mais vous êtes parti où? Mais en ils fait, sont dans un biome marais. Le biome où je me trouve, je me fais défoncer la gueule par quelque chose. Hache en or, c'est les mêmes mecs qu'il faut que je trouve, mais en hache en diams en fait. Mais il faut juste que je trouve un coffre en fait. Allez, vous avez pas la barrière. Oh là là, c'est quoi ça? Oh là là, je sais pas, je viens de tuer une espèce de main. Oh putain de merde! Là par contre, j'ai commencé à prendre cher. Mon sang, ça va. Oh, je me fais rush par tout ce qui bouge là. Ah, mais vous êtes pas dans un mushroom là? Non, on est pas dans un mushroom, je suis dans un donjon en fait. J'aimerais voir si je peux trouver un coffre. Pour l'instant, j'ai trouvé zéro coffre, ce qui m'embête. Et trouver l'item. Non, mais ça, en fait, ça c'est un donjon, mais c'est un. C'est pas attends. Ah ouais, non, c'est ça. C'est le donjon Minotaur. Pour l'instant, je trouve que des Minotaurs à la hache en or. Hein. Ouais, mais c'est à la fin. C'est au boss. Hein. Non, mais faut que je trouve. C'est tellement dégueulasse, les pixels noirs. Ouais, bah c'est le nuage de sauterelle. Il m'a défoncé, moi, le nuage. Ah, ça met Hunger. Tu mets Hunger. Ouais. En tant que vampire, ça va parce que j'ai le. J'ai pas assez de cœur pour. J'ai le stuff. Putain, je me suis paumé. Je me suis paumé. Je trouve que c'est un coffre. Bah, c'est je sais pas. En fait. C'est un peu à labyrinthe, donc il y en a partout. Je crois que je suis sur les extérieurs là. Oh là 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 là. Salut, ça va? J'ai retrouvé de la civilisation qui veut m'agresser. Par contre, j'ai de la viande de mou. Parce que tu veux de la flingue. Et comment ça s'appelle le truc? Un maze. Je sais plus comment il s'appelle. Maze. J'ai un Charm of the Keeping. Non, c'est pas ça qu'il me faut. Le Charm of the Keeping. Putain. Bon, je me fais rush la gueule là. Il y aura d'autres donjons, on aura plus de chances d'en trouver des mazes. Là, faut plus rush le bordel. Ouais, je comprends pas, je suis dans un biome. Moi, je vous laisse rush vos trucs, hein, vous rejoindrez après parce que je me fais trop. Je me fais trop casser la gueule. Je vais ressortir, je pense. Hein. Je vais en trouver un qui a pas la nuit de sauterelle. C'est bizarre que j'ai annulé le sauterelle d'ailleurs. Si c'est moi qui ai. Ouais, le sauterelle, c'est toujours. Je pense. Sauterelle, elle doit toujours y être. C'est marrant, les minotaures, quand ils foncent dessus. C'est nouveau, les sauterelles. Là. Pas avant. C'est la barrière que t'as pas, mais nous on a la barrière verte. C'est où la suite, putain? Pas, je cherche. Moi j'ai pas les effets négatifs. T'as la barrière verte aussi. Ouais, moi je suis pas trop. J'ai la barrière verte, moi, mais j'ai pas les effets négatifs en fait avec mon armure. Donc Hunger, je l'ai pas. Moi j'ai Hunger. J'ai Hunger. Moi aussi, et je les vénère du coup. J'ai pas un gros Hunger, moi j'ai le sang qui tout de suite me redonne. Et la nuit de sauterelle, ouais, tu l'auras toujours, c'est le biome marais qui est comme ça. Ouais, c'est très dégueulasse. Putain, par contre, je sais pas où est la suite, quoi. J'ai l'impression d'avoir tout fait. C'est sûrement pas le cas, mais. Il est où la suite? En haut ou en bas? Non, c'est immense. Hein. Ouais, moi j'ai pas l'impression que ça soit immense. Hein. Je me suis pas. Il y a de la flotte, j'ai pas dû passer par là. Un clipper. Petite curiosité j'ai une, locale. J'ai une salle de coffre ici qui a pas été faite. Mais je sais pas où t'es en fait. Je sais pas comment. Hein. Je sais pas par où t'es passé en fait. T'es parti par où, toi? Moins 760, moins 1500. Je saurais même pas te dire où je suis, exactement. Je suis... Foxy est pas loin de moi. Ouais. Foxy va arriver, il va prendre tous les coffres, ce gros rat. Moi, ce qu'il y a, c'est que je peux pas les buter et je peux pas casser les blocs. Donc... Ouais, mais attends, je cherche déjà où vous êtes. Je crois que je suis sur le chemin. J'entends boum. Oh. Par là, vous êtes par là? Putain, le scarabée, il m'avait chopé. Ouais. Tu me vois, Alex? Je te vois. Coin. Ah, c'est la mini-carte. Ah, Oliver est de l'autre côté du mur. Là? Ouais. Salut, il y a une mini-carte dans ici. Un labyrinthe, c'est relatif. J'ai fait les deux ici, il n'y avait rien. Je suis pas allé plus loin, quoi. Oui, il y a un double coffre ici. Juste derrière la grille. Ouais, d'accord. Et ouais. Vous êtes quoi, vous?
Des nains. Des méchants nains. Du black offre, Oliver, c'est gentil. Je peux pas les ouvrir. Non, je peux pas les faire moi ici. On a la barrière. On promène, c'est tout. Alors. Ah, t'es déjà en train de l'ouvrir, c'est ça? Ouais, y'a rien dedans. Hey. Putain, mais quelle raclure de bidet, ce mec. J'ouvre par là où c'est ouvert. Il me voit à 2 cm de lui, faut qu'il s'empresse d'ouvrir le coffre avant moi. Putain, mais t'es vraiment une raclure. T'es pas 2 cm, t'es une raclure. Bah là, je suis à 3 km, regarde, lève ta tête. Bah oui, mais pour moi, t'es pas à côté du coffre, là, okay. Il y aura des trucs ici parce que c'est tout barré par des barreaux de fer, mais il y a des couloirs derrière. Fais gaffe. Ah, je projette. C'est maze truc focus. Ouais, ouais. Je vais filer. Oh, j'ai eu peur, heureusement que je prends pas trop cher. Oh putain, j'ai pris cher. Là, j'ai pris cher. J'ai pris vraiment cher. Je crois que j'ai déclenché un piège. Je l'ai vu en plus, le truc au sol, j'ai fait ouf. Le maze mode focus, ouais. Ouais, la maze mode focus. C'est un piège. Ah oui, bah j'ai vu, hein. J'ai peut-être fait un trou. Non, je t'ai jeté. Ah oui, t'as fait un trou, ouais. Mais du coup, c'est vrai qu'il y avait de la TNT. Ouais, je pense que la continuité se fait par là où je suis, je pense. Il y a pas mal de grilles. Tu l'as ramassé, Alex ? Je suis en train, c'est bon, c'est fait. Ok, il va me falloir des minotaures. Non, vas-y. Oui, voilà, il y a un mob de merde. Tiens, arrête-toi deux secondes, Oliver. Hop. Ah ouais, je m'en doutais. J'ai pas mal de cœur à restore, donc... Et comment tu fais pour... Il y a soit à droite, soit à gauche. Ah, c'est ça. Je sais pas, c'est barré ici, donc... ça doit mener quelque part, je me rappelle plus des donjons exacts. Hein. C'est labyrinthe, donc il y en a aucun qui se ressemble. Vous êtes parti de l'autre côté, c'est ça? Bah, je suis allé voir. Ouais. Moi, je peux rien casser. Ouais, il y a une suite ici avec des torches. Non, c'est un cul-de-sac. Ah non, cul-de-sac, ok. Cul-de-sac. T'as plus de bottes, Alex. Elles sont où, mes bottes? Bah, ils ont dû casser avec les dégâts. Oh là là, ça sert à quelque chose de mettre hyper 2, tiens. Ça sert strictement à rien. Un hein. Cul-de-sac aussi. J'aurais dû mettre un breakable. Je suis à pied, hein. Je suis pieds nus, mon pote. ici, y'a rien. C'est oppressant le côté. Ouais. Les bulles. Ah ouais, putain, qu'est-ce que c'est oppressant le truc. Mais comment on suit le mur de gauche? Là où je suis, Fox, si tu peux, ou Alex, si tu peux venir ouvrir. Ouah, c'est quoi ça? Un kobold. Oh le merdier. Je suis en train de suivre un chemin. La sail, ça dit quoi? La sail avec des grilles au milieu, c'est la suite, il faut descendre. Faut casser les torches peut-être, non? La salle. La salle, ok. Ah, c'est là où on était, Oliver, apparemment. Avec les grilles au milieu. Le cul-de-sac avec les torches, là. Impossible. Non, c'est pas une salle avec les grilles au milieu que t'as eu tout à l'heure? Il y avait une salle avec des coffres des et tout. Grilles, ça fait un cube et au milieu t'as des grilles. Ils ont modifié pas mal de trucs, donc je... J'essaie de m'en repérer. On peut descendre ici? Je sais même pas où t'es... Ça a pété, mais... Non, mais sauf par là où c'est cassé, quoi. C'était par là. C'est par où? Là, juste derrière le mur, ce tu casses. Oh, merde, vous êtes où? Là où il y a toutes les torches, là? Hein non, je disais que les grilles. Je me suis perdu. Je pense pas que tu puisses descendre. Putain, je me suis paumé. Ça y est, je me suis paumé, les gars. Tu suis le mur, tu suis un mur, ouais, je vois. Ouais, bah, je veux bien suivre des murs, mais. Une grande salle. De toute façon, tu les reconnais, les sols pétables, non? Je crois avoir vu quelqu'un par là. Giga? Oui, oui. Ah, Oliver, ça va à la fin? Oui, salut. Sors là. Là, t'as des couloirs qui font 3 km, et puis au bout, t'arrives, y'a. T'as fait quoi? T'as ouvert le sol? Là où tu disais? Non, j'ai continué. Bah, je suis en train de suivre un couloir. Puis moi, je me paume dans mon salon. Tu me paumes dans ton salon. Et Ça, c'est légèrement long, la mestone à péter. Labyrinthe naturel. Attends, je vais traduire le truc.
J'ai une salle avec un. Non, c'est pas pétable, hein, au passage. Ou alors on a vraiment beaucoup de lag, mais. Ah si. Non, y'a rien en dessous. Non, après c'est de la bedrock. Donc non. C'est le bedrock après ? Ouais, j'ai les notes, sinon ouais. Note of a Spancy Labyrinth, mais. Je sais pas si tu les as lues ou pas. Non. Je peux rien faire moi en fait ici. Ah, j'ai faim. Il y a un truc bleu qui m'attaque. Ça va, ça se passe bien ta vie toi ? Un slime, non ? Ma kobold. Dégage. Je vais de voir si je peux le trouver. J'ai encore un coffre ici. Mais faut pas que tu utilises ton maze machin, Alex. Ou faut une porte, non, spécial. Non, maze, ça, le maze c'est pour un crafting. C'est pour faire une table qui s'appelle Uncrafting et qui permettra d'uncrafter des équipements. Donc en fait l'idée c'est d'aller chercher les minotaures avec des haches en diamant. Une fois que tu les as, tu les fais spawn à l'infini grâce au safari et t'as l'uncrafting qui va uncrafter justement les haches en diams pour te finir du diams. Tu peux venir m'aider ? T'es où ? J'ai un scarabée qui me balade en fait. Il est attrapé par un scarabée. Et vu que je peux pas le tuer. Je vais essayer de revenir. Faut que je te trouve. J'ai plein de viande hein, par contre. Hein. Mais là, je suis dans une grande salle là. Je sais pas où vous êtes, les gars. C'est quoi ça ? C'est des yétis ? Lâche-moi. Mais dézoome ta main, Pierre, tu verras là. C'est quoi ? Me balade. C'est une plante. Je sais pas où je suis, Michel. Je me suis perdu. Ouais. Puis les scarabées, ça aide pas. Hein. Ah, continue dans le sens où tu vas. Le centre de la Twilight. Vers le haut, t'as l'air. Vers le nord. Ça lance les Underfern. Vers le nord, tu dis ? C'est pas de là où on arrive ? Non, c'est, je te vois, t'es au sud de moi. Oh putain. C'est tellement chiant quand tu peux pas les tuer, quoi. J'ai fait le danger. Oh là 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 là. Ah, j'ai un truc là. Oh, il va m'amener au boss. J'ai une grille en fait. Au boss pour te faire manger. Là, j'ai une grosse grille ah, en fait. Ah, c'est qui ça, descend. Oui, tu peux descendre. Ouais, par contre, vous pouvez venir me libérer d'abord. Il est à l'autre bout du monde. Ah, ouais, t'étais juste à côté, t'es parti du coup. Non, je sais pas ce que vous avez fait. Parce que moi, en tuant le truc, j'ai plus la nuit de sauterelle. Dans quoi ? Bah, alors, c'est que je l'ai pas tué. Bah, si, je peux tuer les mobs. T'as plus les nuées de sauterelles, toi ? En tuant la meuf, là, j'ai pas les nuées de sauterelles. Hein. Je vois Oliver sur la carte, mais. Il y a tellement de mobs en fait. Moi que j'ai du lag, là, je peux pas. Non, j'ai pas de lag. C'est bizarre, t'as plus les nuées de sauterelles. Oh merde, il est derrière. J'ai plus les nuées de sauterelles, je suis là dedans. Voilà. En fait, j'ai plus les fesses, j'ai plus rien. Tous les mobs. Oui, ouais, mais c'est bizarre en fait parce que je l'ai fait la nana. Personnel, en fait. Je peux les tuer les mobs, je les taper. J'ai fait le lead et la nana et j'ai plus les nuées de sauterelles et j'ai les décrochés sur moi. Mais alors ça veut dire que j'ai pas fait lead. Non, Oliver, t'es juste derrière, mais je sais pas comment. Qu'est-ce que vous avez, c'est le Minotaur là. Calmez-vous. Ah, il charge en fait, c'est pour ça qu'il. T'es quoi, t'es déjà au Minotaur toi ? Non, je suis là, ouais, je suis là, je suis dans le donjon. Parce qu'il y a les spoilers, du coup ça repop les trucs. T'es descendu toi, Alex ? Je vais vous aider à chercher. Ouais, je suis en bas. Oh putain, il y a un truc qui m'a emmené là. Putain, les slimes, limite, faut les laisser. Là, j'ai des coffres. Oh, je me suis paumé à l'étage du dessous. Vous devriez suivre toujours un mur, je pense. Ah, j'ai trouvé Oliver. Je suis descendu. Mais... s'il te plaît. Ça fait une demi-heure. Je suis comme ça, quoi. Merci. Apparemment, je suis à l'étage du dessous, mais. Du coup, t'as noté les coordonnées de là où on descendait ? Non. Non, pas du tout. Non, attends, je sais, c'est pas voulu. Quand on est con, on est con. Je te retrouve. Et toi, Auro, t'as plus du tout la nuée de sauterelle ? Non, j'ai plus la nuée de sauterelle. Putain, mais alors pourquoi je l'ai ? Bah, je sais pas. Ouais, Fox, c'est sauterelle. C'est Fox qui l'a tué. Moi, je dis, ah oui, on a fait qu'une nana ? Ouais. Bah, donc c'est Fox, ça a dû compter à Fox. T'as la nuée de sauterelle, toi, Fox ? Je vous dis pas, Fox. De quoi ? T'as des sauterelles ou pas, là ? Mais j'en sais rien, je suis dans le. Non, mais est-ce que t'as sous les yeux, t'as les pixels noirs ? Non, c'est bah, c'est là, dans le donjon, non ? Non, voilà, c'est lui. Mais comment ça se fait que je peux tuer les bêtes, moi ? Bah, moi, parce que.
que vous deviez être en même temps, mais c'est lui qui a le Non, si tu veux, t'as. Tu tues le naga, t'as accès au swamp. Mais il faut tuer le naga et la leech pour avoir accès et puis les trucs. Tu les deux boss d'un biome, t'auras accès et puis plus de debuff. Donc forest, t'as naga et leech. Donc si tu tues les deux, ben dans le swamp, t'as plus les sorcelles. Je vais mourir. Ah, moi j'ai plus les sorcelles. Je suis mal. J'ai deux cœurs et plus de sang. Je suis dans le caca. Ah, si je meurs là, aller chercher les. Aller chercher les. Bon, ma tombe ici. La flotte, Fox. Alex, il est là-bas, donc. Alex, il est là-bas, donc ça doit être un. Alex, il est. Ouais, mais Alex, il s'est déplacé, il est peut-être pas forcément. Non. Ah non, c'est ici. De base, c'est ce qu'il faut casser. Ah oui, c'est là. Mais t'es juste à côté. Non, t'as rien à casser. Enfin, oui, des grilles. Donc les viewers ont encore raconté que des conneries, c'est pas moi qui ai tué la nana. Mais ça a peut-être été modifié, hein, depuis. Enfin. Ah, c'est qui ça? C'est moi. Ah, viens là, je te suce. Il est où? Putain, Alex. Je sais pas où il est, mais faut que je te suce. Ok, je suis avec vous. Putain, tu me donnes faim, on me suce. D'accord. Ouais, c'est normal, t'inquiète pas, il faut juste que je me régénère. Attends. Aïe. Derrière nous. Pas derrière nous, en fait, tu peux pas attaquer, toi, donc. Je suis pas à fond en sang, mais on fera avec. Non, mais il y a tellement de trucs. Ah, puis moi j'ai. En fait, ce que tu vois pas, Fox, c'est que moi j'ai la nuée de sauterelles de ce fait-là. L'écran noir. Ah oui, c'est horrible. Hein. Ah bon? Bah oui, c'est pour ça que je t'ai dit qu'il fallait vérifier que c'était moi. Mais Fox, en fait, il s'en bat les couilles que je l'aille. Il part du principe de dire non, on s'en fout, je vis mon aventure. Tu peux taper les mots. Moi, je pensais que c'était bon pour toi. Bah non. Après, je sais pas pourquoi c'était bon pour moi aussi. Bah parce que c'est toi qui as tué la liche. Ah non, on sort. Bah on sort. Ah bah là, pour ressortir maintenant que j'y suis, j'y reste. Je te le dis, hein. Je sais même pas comment. Là, pour ressortir, faut trouver la sortie en fait. Faut que je fasse la pub, putain. Je suis dans la merde. Oui, il va falloir que tu fasses la pub. Vas-y, faut trouver la sortie pour sortir. Sinon, il y a le TP draconique, mais. Je vous retrouve. Je sais pas où vous êtes en fait. Moi, je suis. Et tu peux ouvrir ça? Ouais. Attends, il y a des trucs là-dedans, je crois. Il y a un deuxième. Plus truc là. Fais gaffe, il y a des TNT. Cours. Cours, parce que ça explose large, j'ai rien dedans. Ah, j'entends exploser, vous devez être par là. C'est nous. Ah, vous êtes en dessous, il y a des grilles là, je peux descendre. Ah bah voilà, on a fait un trou. Coucou. Putain, okay, fous-moi le con. Je suis avec vous. Faut qu'on fasse la pub, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui me défende, qui puisse taper les mobs. Moi je peux taper les mobs, je suis avec Oliver. Cool, je me mets dans un coin là, je me mets là, tu me défends. Ok, et par contre j'ai plus masse énergie sur mon épée. Suce-moi avant de... Suce-moi avant de fumer, comme ça tu seras tranquille. Suce-moi avant de partir, quoi. Classe. Bon là non? Non, c'est pas bon. Oh putain, si je continue, je vais te tuer. Vite fait quand même. Attendez, je prends sur votre collègue. Vas-y. J'ai même plus la nausée, moi j'ai plus rien en fait. Bah ouais, moi j'ai tout là. C'est bon, ok. Bon, mesdames et messieurs, c'est la pub, on en est jusqu'à 14h. 5 minutes de pub, on revient juste après. En compagnie toujours des copinous et de mon écran noir parce que. Parce que j'ai pas fait le bon boss. Parce que Fox, il m'a piqué mon kill. Parce que Fox, il s'en fout des autres. C'était pas voulu. Deux boss d'affilée. C'était pas voulu. On arrive, ça. Ah non, mais honnêtement, c'était pas voulu. Honnêtement, deux fois d'affilée. On arrive. Il est 13h28 et vous regardez Gaming Live, la web TV de jeuxvideo.com. Je suis Click. Vous êtes les viewers, nous sommes ensemble jusqu'à 14. Non, ça va pas rentrer, hein, d'habitude, c'est 15. Non, j'ai couru. Putain, c'est plus que c'était la jeunesse. Avec Fox, Oro, Oliver et Pop, on est dans le. Je vois déjà un comme ça. Essaye de prendre celui-là. Attends, faut que je vire quelque chose. Qu'est-ce que je vire? Ça, je m'en fous. Alors, pour préciser, les particules se retirent pas si on désactive les particules du jeu. Hein, ça non, fonctionne non. Pas. Et on va tester le trophée, comme ça, si ça marche, bah ça marche. Si ça marche. Non, non, j'ai rien. Essaye ça aussi, voir. J'ai pas le même. Ah là, oui, ça s'est enlevé. Achievement get, okay. Touch by under. Ok, donne-moi l'heure, rends-moi mon trophée.
Elle donnait pas des coups de... Mais non, c'est un... Oh putain, ça fait du bien comme ça. Donc en fait, tu peux passer... Il est là, il est par terre. Il a le chèvre. Non, il l'a remercié, mais remercié aussi. J'ai pas le bleu. Non, celui-là, c'est le même en fait. Ça, c'est le zombie, je sais pas quoi. Ah merde, j'ai récupéré, c'est ça. Lich trophy. Alex. Oui. C'est pour toi. C'est quoi? Bah, en allant chercher Oliver, je suis. Ah, cool. Minoshroom. Allez, go. Bon, voilà, maintenant, on y voit beaucoup mieux comme ça. T'as vu, c'est mieux. Ouais. J'ai essayé de te les donner pendant la pub, mais t'étais. J'avais l'inventaire plein. Regarde, c'est cette merde-là qui nous tape. Oui, c'est ça. Et j'ai failli te tuer. Il y en a qui est venu m'attaquer. Attends, tu m'excuses. Combien vous êtes en gros, tu m'as dit? Excuse-moi. Moins 700, moins 1400 maintenant. Moins 1500. Ok. Oh, le con. Faudrait que je m'emmène toujours un. Un pinch dans un safari. Ouais. Mais je sais pas si il recharge quand il est dans le safari. Non. Il faut absolument. Je suis les deux boss comme ça. Moi, ah, t'as les deux boss? Ouais, ouais. Ils sont où? Non, mais les deux boss. Ah, il a tué les deux boss. Oui. Vous êtes passé à la sortie, hein. Mais on veut pas sortir! Le boss, c'est celui que t'as dans ta safari en fait. Donc, Ah, tu l'as déjà dedans? Ah, oui, d'accord, vous l'avez déjà rempli. Ok. Si, je l'ai croisé. Je l'ai croisé en allant chercher lui. Il est rentré chez lui avec un scarabée juste avant qu'il arrive. Ah, oui, d'accord, c'est pour ça qu'il arrive. Du coup, là par contre, là on est à l'étage d'en haut, mais. Ouais, faut remonter. On est sorti. Bah attends, tu viens de. Là, il y a un accès dehors, juste là. Attends, vous êtes où? C'est cassé, il y a l'accès dehors là. Ah oui, putain. On est là. C'est bon, nom de Dieu. Sans la nuit, hein. Et ah sert oui, à quoi clairement. Les trophées de Naga, ça sert à quoi? Pff, ça sert à rien. C'est un trophée. Ouais. C'est juste un trophée. Tu peux le mettre, par exemple. Je peux l'exposer. Hop. Ah oui, d'accord, faudra que je chope les autres alors, la nana et tout. Qui me tape là? Moi, bah, je refasse la nana. Tiens, on ferait bien une nana vite teuf. Faudra que je fasse tous les boss. La nana, c'est la tower. Je l'ai faite. Ouais. Celle qui est dessus, celle du spawn. Sinon, il y a celle, je sais pas si Oliver t'a fait celle d'en bas. C'est celle que j'ai faite. Une, il faudrait aller voir à l'ouest. On n'est pas là. Les châteaux, il y en a plein mal. Ah, il y a des moustiques là. Je pense qu'il y en a peut-être un juste en bas. Moi, je me faisais attaquer par les mosquitos. J'entendais deux. Tu sais, bah, Gritor il doit faire le con, mais non, c'est les vrais moustiques. À l'est, là, en bas, à l'est. À l'est? Ouais, y'en a peut-être un vers l'est là, parce que les châteaux, y'en a pas mal. Si on peut choper les trophies, les trois premiers, ça me permet de les mettre quoi. Juste là. Ouais, tous les donjons, y'en a pas mal. Ça, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas su qu'on a fait. Faudrait que je refasse celui des Minotaurs, ça, c'est la merde, les Minotaurs. Bon, c'est cool, je vais pouvoir faire mon. Refasse les Minotaurs, parce que les Minotaurs. Personne l'a fait de toute façon. Moi, le prochain que je trouve, je le tuerai pas. Ah bah je crois que j'ai trouvé un autre donjon de Minotaur là. Mais vous êtes où putain? Comment que ce soit le même. On est parti à l'est. Ah non, il y en a un autre là, il y a un donjon Minotaur ici. Tu le vois à ta droite Oliver? Ah non. À droite là. Là où je suis? Ah, là où je vais là, ouais bah là où t'es, ok c'est ça. Ah bah tu descends, tu vas directement t'as juste. On va aller voir, je voudrais voir à quoi il ressemble ce con. C'est mieux sans les moustiques hein. Bah oui, tu m'étonnes, on est mieux. J'ai peur. Est-ce qu'on a pas des torches Mais du coup, est-ce qu'il après, faut comment pas le tuer on descend Minotaur pour Ah, c'est par la suite. Si, mais moi j'en avais besoin dans la safarinette. Tu verras pourquoi. Parce qu'en fait, je pourrais vous en faire spawn autant que vous voulez des Minotaurs, c'est pas un souci. Ouais, mais il comptera pas comme boss, je pense. Je ne pense pas. Non. Faites gaffe, c'est piégé à chaque fois les. Ouais, moi je fais les coffres, y'a pas de. Je regarde le piège, tu peux le casser le piège, tu sais, avant de. Mais moi, ouais, si vous pouvez m'envoyer une maze. Un truc Alex, là. Ouais, j'en ai deux. Attends, oh, mais nickel. Ouais, je t'ai dit, j'en ai deux, une pour chacun, on va l'installer chez moi. Il va juste me manquer de la. Je crois que je dois avoir des câbles, je dois avoir un grinder de côté, mais je dois pas avoir un. Oh merde, ça va péter, je sais pas où t'es. C'est moi. T'es là, ça va péter. Est-ce que tu veux vite le trouver ou tu veux y aller en faisant un navire? Ouais, on peut le trouver à l'arrache. Ok. Ça a détruit tout ce qu'il y avait dans le coffre du coup. Je sais pas où t'es par contre. Je vais vous rejoindre. Tu vas le voir. C'est comme un dégueulasse. Bah lui il a ce qu'il faut pour creuser vite. Non. Je suis en train de suivre un mur, ok. Mur de gauche. Oliver il est là-bas. Tu vas plus rien avoir. Hein. Je crois que j'ai trouvé Oliver. Ouais, salut copain, ça va la femme. Vas-y, creuse. C'est pas comme s'il y avait des trucs trop partout. Une machine qui m'embarque. Et t'es passé où? Tu suis les trous 3x3. Ah oui, d'accord. Par là. Je sais, c'est joli, je disais, dis donc, il y a un nouveau. Il y a un nouveau shérif en ville. Un nouveau shérif en ville. Ah, par contre, c'est de la lave là. There's a new sheriff in town.
Attends, faut que je zoome. Trouver la salle où on peut descendre en fait, tout ça. Trouver. Elle est où? Bah, tu creuses tout droit. Ouais, mais. Vas-y, creuse sous tes pieds. Vas-y, fais-toi plaisir. Quoi qu'il faut pour faire le truc là? Maze. Machin. Maze map. Une espèce de, ouais. De pièce jaune. On dirait une pièce jaune. Non, ça bug. On dirait que Bernadette Chirac est passé par là. Oh l'ancienne. Oh lui, l'ancienne. Les trois quarts du monde dans le chat ont pas compris ta blague quoi. C'est normal, c'est une blague de piège jaune. Oh. Bonjour. Je crois que David Douillet dans le coup aussi, ou est-ce qu'il est encore du coup? Ah j'ai cassé le piège. Alors là vous faites gaffe parce que c'est là où j'ai pris vraiment très cher tout à l'heure. On prend chacun une direction puis on suit un mur. Par contre, vous tuez pas le boss, vous attendez qu'on le voit dans les deux. Ouais. Bah, tu le sors du. Ah, ouais, tu m'as dit je suis un mur, pardon, excuse-moi. Moi, je. Non, je sais pas, tu. Je suis pas de mur, moi. Tiens, je crois que j'en ai un troisième. Ouais, j'ai un troisième maze, Oro, si t'en veux un. Ouais, j'en ai. Pour l'autocrafting. Bah, moi, je pour, enfin, pour l'uncrafting, ouais, je vous la donnerai. Pour faire une uncrafting table, ça peut servir avec plein de mobs, hein. Plein de mobs qu'on déloute. Vous pouvez faire une usine à fer comme ça si vous faites spawn des iron golems. Je peux pas. Tu peux pas faire d'iron golem? Iron golem, moi je l'ai. Tu peux décrafter un peu ce que tu veux. Tu peux pas avec la safarinette, les iron golems. Ah oui, non. Et d'ailleurs, je suis même pas sûr. Faut qu'on vérifie. Tu vois qu'il va faire pop des trucs en gold. Mais. Il y avait non, bien non. Une. Ouais. Non, mais j'ai déjà le gold. Non, non, une. Tu mets un zombie. Ce que je viens de réfléchir, c'est qu'on peut pas faire pop les Iron Golem parce que c'est désactivé dans la config. Oui. Les boss et ça. Ouais, donc peut-être que ça marchera pas avec. Peut-être que ça marchera. Dans ce cas-là, je réactiverai la config. Bon, putain, c'est le merdier là. Ouais, j'ai un lag parce que ça fait trop fort que je vais une fois tu dis je vais suivre le mur de gauche, mais puis je reste sur droite, c'est pareil. Bon, moi je vais suivre ma technique. Infaillible. Ouais, ma technique c'est que j'ai plus de bottes, j'ai plus de pantalons, putain tout mon stuff il est baisé. J'aurais dû mettre unbreaking. Ma technique c'est 3 par 3. N'empêche un stuff. Un stuff que tu peux recharger, je pense que je ferai ça, hein. Putain, parce que là. Je vais finir avec le stuff draconique en vampire. C'est pas le jaune là, le stuff que tu peux recharger? Oh, t'en as plusieurs. T'as le draconique. Eh bonjour, t'as... il est là. Mais t'es où toi? Je crois que je suis passé par. Ah oh, putain, ça fait chier, moi je suis dans un cul-de-sac. Non mais je t'attends, j'ai rien ouvert. Hein. Non mais tu peux venir me chercher, je suis dans un cul-de-sac. Style, tu me vois sur le truc? Ouais, je te vois. Tu creuses? Ouais, j'arrive. Je t'attends. Fini le mec là, faire du ping-pong avec moi? Oh, il est derrière moi. Merde, il y avait de la love ici. Merde, il y avait de la love. Moi, j'attends l'hiver. Mais le stuff de la mort, ouais, le stuff de la mort. Je sais pas s'il y a... Bonjour. Il s'use le... Ah bah c'est lui, ça va. Je sais pas s'il s'use le stuff de la mort. Ça va, ça se passe bien, toi, la vachette, là. Et t'as pas la vachette. Putain, du coup, je me suis perdu. J'ai voulu passer par le tunnel de l'hiver, mais je sais pas. Derrière ces petites barrières. Oh, se trouve un joli Minotaur emprisonné dans ma safarinette. Et tu l'as déjà, hein? Ouais, je l'ai déjà. Ah, je vais le tuer. Aïe. Non, bah ouais. J'ai dit rempli. Rempli, on capture un deuxième. Ah non, mais ça sert à rien. Si j'en ai un que je fais un spawner, t'en auras autant que tu veux, en fait. Oui. Mais non, ça comptera pas comme boss. Vas-y, fais un trou dans le mur. Oui, mais pour le capturer, pour le faire à. J'essaie de venir à vous, comme ça je vais pouvoir m'en aller avec vous. Il fait hyper mal par contre. Ah oui, ça pique. Il douille, hein. Aïe, dans l'autre sens, ok, super. J'attaque tout va bien. Pas, tu vas encore dire que je suis le piqué de boss. Allez. C'est bon. Il a combien de PV? 132, oh, tu l'as enlevé pas mal, hein. Oui, j'ai un demi-coeur, j'arrive. Ah, toi, il s'en branle de toi, Oliver, là, je crois. Ouais, mais il a gros. Bah, je crois qu'il a plus de focus.
Tu retires combien par attaque? À la limite, si t'as juste un coup de mètre. Dis-moi. Non, Alex. Je sais pas, mais j'ai il 3 coeurs. Il a 86 PV et... Il en avait combien à la base? 130 132. Ah, je lui ai mis 3 coups, je crois. J'essaye de venir à vous, hein. Je suis très loin, normalement. Il me reste combien? 48. Avec une baguette magique, j'aurais pu largement lui faire du dégât à distance, mais il a bloqué sur ma gueule. T'as pas les sceptres? Ça fait pas des dégâts à distance? Les sceptres. Les sceptres de la liche? Non, je l'ai pas, c'était au rond. Je sais si tu veux, je te le prête. Vas-y, fais voir, je vais tester. Ouais, je crois que c'est TP, je suis pas sûr. Mais... Là, ça dépend duquel. Sceptre bleu, Sceptre of Twilight. On va faire un petit test. Non, c'est bon. Il y a 99 charges. Tu l'as pas tué dans 99 charges et... Le creeper avant qu'il fasse péter. Attention, les... passez pas devant moi. Non, ouais, personne devant. Il me fait de la soupe. Oh, un cœur de creeper. Dedans, vous avez une Ironwood plate. Ah, il y a une Maze of Focus si ça intéresse quelqu'un dans ce jeu. Je regarde, je prends rien. Moi, j'ai rien pris. Et hein. Tu vois, t'as des. T'as une maze, maze Map Focus là, Fox. Stilif. Les stilif, ouais. Pareil, c'est des feuilles et tu peux te faire une armure avec. Par contre, j'ai pas eu de trophée. Je l'ai looté entière l'armure. Par contre, Alex, t'es à poil. Hein. Ouais, je sais que je suis à poil, j'ai eu quelques soucis de santé. C'est toi qui as eu le trophée? Non, 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 j'ai dit cette fois. Je sais pas. Ah non, je sais pas. Je sais pas, le trophée qu'il te donne, je crois, il te drop la soupe et en buvant la soupe, ça te permet de rentrer dans le Fire Swamp. J'ai pas la soupe. Ah bah. C'est moi tiens. Qui l'ai. Ah, putain, il est. Non, j'en ai deux. Non, non. La Mif Stroganoff. Ouais, c'est ça. Il en a ok, si je la bois maintenant, je rentre dans le merdier. Apparemment, c'est ce que ça dit. Bon, on va attendre un peu. Bon, on va retourner à la maison. On va retourner à la maison. Et je pense que Oliver, je vais finir. Tu peux creuser vers le haut. Faster drinking, je fire resistance. Tu veux rentrer en TP ou tu veux rentrer en... Smearing boost, extend fire. Je pense qu'on va rentrer. Non, on sait pas. Je pense qu'on va rentrer. J'ai plus de stuff, hein, je suis à poil. Ouais, tiens, tu veux rentrer en... Moi mon stuff, faut que je la réparation. Ouais, moi c'est même pas du réparation, ça a pété. Garde le sneak, garde le sneak. Même ça arrive, t'inquiète. Je vais clic rapide. De toute façon, Alex, normalement. Non, je suis. Ah, par contre, j'espère qu'il fait pas jour, Alex. Non, on est pas chez moi. Non, si, il fait jour. Chez moi. Je t'ai mis chez moi. Ah, je cours. Pas de chez toi, mais oui, bah oui, je t'ai mis en intérieur, je t'ai pas mis dehors. Moi, ça me va, on est bien. Moi, je bouge plus, j'attends la nuit. Tu veux que je te. Non, non, ça doit passer. Tu sais quoi, je tente, ouais, ça doit passer. Attends, je t'ai TP où, Alex? Non, c'est moi qui l'ai TP. Ah, tu m'as TP moi. C'est Fox, pardon. Allez, on va voir combien de temps je tiens dans le jour. Oh, ça descend. Oh, ça descend. Oh, ça descend. Ça va, ça va, une goutte. Regarde. J'aurais ça dû va, j'ai perdu qu'une goutte de sang. La nuit, ah bah ça va, la pluie tombe. Oui, c'est moi qui viens de la déclencher. Ah oui, c'est vrai que je peux faire mes charges. Faudrait qu'on fasse ça. Tiens, on va faire ça, Fox. Bah tiens, on va voir si tes vampires ont ramené. On va voir si mes vampires ont ramené du sang et on va vous montrer quelque chose avec les vampires. Vous ne filez pas le dernier boss. Non, mais je l'ai sur moi, le boss. Enfin, il servira pas en tant que boss, mais. On va vous montrer quelque chose. Je sais... ah, attends, je vais tout mettre ici. Salut, ça va? J'ai ma gritter, chien. Ah non, c'est Pop. Donc non. C'est pas, ça, c'est pas le dernier boss. Hein. C'est le chat. C'est pas non. Le dernier boss. Il y en a plein. Il y en a 9 différents. Ouais, je crois, des boss. Ils ont pas rempli. Ils ont rien fait. De creeper. Parce qu'après le Minotaur, il y a une Hydra. Après, c'est un Knight Phantom. Le Yurghast, l'Alpha Yeti, la Snow Queen. Bah. Ah putain, il est plein. Ça sert à quoi les la Reine des Neiges, oui. Ma question c'est est-ce qu'ils ont un. Ils sont pas trop loin du village? Pour bosser un peu là. Parce qu'ils foutent rien. Non, ils TP automatiquement. Moi ma maison est beaucoup plus loin que par rapport au village. Et ils y sont. Mais là on est sous terre et tout. Si, je suis sous terre. Cette tenue du comte Dracula quand même. Ouais, va falloir que j'en refasse une. C'est con parce que s'ils avaient bossé un petit peu, on aurait pu montrer quelque chose de rigolo. On peut aller voir chez moi si c'est fait. Ah, ça je vais le garder. La boline, observation of an immortal. On va le mettre. Tes trophées, tu peux les poser au mur, hein, je crois. Ouais, c'est fait, j'en ai posé au mur, mais j'en ai qu'un moi. J'en ai qu'un. Tiens, les corbeaux, je vais les relâcher chez moi. Ouais, j'en ai deux. Mais tiens, je te donne la ligue. Voilà. Moi, je vais te faire l'armure.
Je sais pas s'ils vont loin les corbeaux quand tu les laisses en intérieur comme ça. Oui. Ah non, c'était pas. Tiens. Oh, vous êtes gentil, vous. Non, c'est Fox qui a. Non, bah attends, Alex. Ah, mais j'en ai pas besoin de ça, moi. Si. Non, mais. Non, si tu veux te faire l'armure pour voir. Je sais pas si j'en aurai assez. Non, mais tiens, je l'ai looté entièrement l'armure. Ah ouais, tu l'as looté entièrement. Le pantalon, la tête, le torse. Et la tête, et la tête. On va regarder l'armure. Alouette, alouette. Ah, oh, je suis dégueulasse. Dégueulasse, gentil. En plus, je suis borgne. Dégueulasse, gentil. J'ai dégueulasse. Aussi looté, celle-là en armure. On dirait que t'as une tête de grenouille sur le torse. Bioman, gentil. Iron Man. Bioman. Tiens, je te la rends. Et l'épée qui va avec. Je te rends tout ça, ça me fait plaisir. Une Iron Sword. Tiens, il y a ça aussi. Hop. Je lui file toutes les merdes que j'ai accumulées. Moi, je me demande quand même si je vais pas faire. En fait, je regarde le set du vampire est très joli, mais il s'use trop trop vite. Donc, en fait, ma question, c'est que je me demande si en armure. Je vais garder ma canne en attaque. Je l'aime bien. Mais par contre, tu vois, le stuff du vampire est très joli, hein, j'en avais fait un drab ici. Mais je me demande quand même si je vais pas prendre une draconique. Hein. Vous avez des charmes. Parce qu'elle se recharge à l'énergie, la draconique. Donc. Elle est où la draconique? Elle est là. Wyvern chestplate. Faut quand même beaucoup de draconium. Draconique corps. Ouais, bref. Ouais, on va arriver en fin de live en plus. Donc demain, on se retrouvera pour la suite. Je sais pas, je pense qu'on fera peut-être un peu de Twilight. On continuera peut-être les boss si on les a préparés, si on a regardé un petit peu. On fera peut-être les boss demain. Ici, normalement, on aura vu si on pouvait automatiser le Minotaur. Donc on verra si on peut automatiser du diamant ici avec des barrels devant ou quoi, un truc comme ça. Ce qui peut être sympa. Et une trache de sécu. Et comme ça, tout le monde pourra venir se servir ici en diamant. Chez moi, dès qu'ils ont envie sur le serveur, ils ont besoin de diamants. Si ça marche, ils pourront venir se servir en diamant, c'est le principe. Hein. Je me purge. Et monsieur, vous voulez faire pipi en même temps que moi? Faisons pipi. J'ai pris pas mal de level quand même. Il est 13h46, oui, on finit à 14h exceptionnellement aujourd'hui. Hein. Il y a un speedrun juste derrière, donc on finit un petit peu plus tôt. Putain, il va falloir ramener du câble, Oliver. Oh nom de Dieu. On fera ça demain matin, tranquillou, on verra ce qui a été avancé ou pas. Tiens, je vais faire un truc pour finir le live. Je vais retransformer 2-3 vampires, vu que je suis à poil. Je crois que je suis bloqué là pendant 3h30. Hein. Pourquoi? T'as pas le temps que ça descende, hein. T'as combien de level? Ah, je suis plein, hein. Bah, j'ai 189 là. Tu es en train de me mettre 189 level. Non, mais ça rentre pas. Bah, moi j'ai récupéré des bestioles et deux. Vous avez tué des boss, moi j'ai récupéré des terres. Donc là, ah putain, mais je sais plus qui est plein, qui est pas plein. Moi je suis plein. Non, non, mais dans mes vampires, je sais plus ce que j'ai déjà fait comme ligne. Je crois que j'ai fait ici, mais il y en a que deux. Pourquoi il y en a que deux? C'est plein. Ouais, mais je sais pas de ce fait là s'il y a un vampire qui vient là ou pas. Bon, tu me diras si y a un cercueil d'attribut, il va me le dire. Ouais, à plat. Ça de quoi? Non, non, mais t'as tout fait, tu les as fait, hein. T'as fait les trois. Bah, je me demande si c'est pas fait buter mon. Là, c'était bien le sceptre hein, pour. La sauterelle. Bah, quand tu regardes dans les achievements, c'est. The Magic of the Lich, Scepter, Clear Away, Poisonous Mosquito, une fois. Ok, parce que le premier, ouais, c'est juste de la Lich là. L'un des sceptres de la Lich, parce que visiblement, là, on a. Ouais, c'est ça, j'ai un vampire qui s'était fait buter. J'ai un vampire qui avait dû rester dans le. Au jour, parce qu'ils peuvent crever, vos vampires, hein, au passage. Donc, de temps en temps, il faut en refaire. Bah, c'est les débiles qui rentrent. Ouais, c'est ça, les tornades qui sont vraiment débiles, ils restent dès qu'il fait jour. Ils sont attirés par la nourriture. Une top guy, une malade. Est-ce que je regarde les différents achievements? Apparemment, on a l'hydre et un dernier boss. Ouais, ça c'est juste les achievements, après t'as pas le même. Oui, mais non, mais c'est pour. Les achievements en fait, là, dans la suite. Ils foutent rien en vrai.
Ils foutent rien, mes vampires. Sérieux, les gars, vous m'arrêtez pas. T'as le naga, t'as après accès à la liche. J'aurais voulu qu'on demande ça juste avant la fin, en fait. Ça m'ennuie un peu. Donc, en fait, vous pouvez via. Alors, je vais vous montrer ça au moins. On va récupérer ça. Donc, dedans, il faut un os. Aller voir chez moi. Bon, on va aller voir s'ils ont bossé. Mais à tous les coups, ils ont bossé chez toi. Donc, il faut un os. Hop. Un artichaut. Un water artichaut. Et le dernier, c'est un wool of bat. Donc, en fait, vous allez pouvoir prendre des nouveaux sorts de vampires. Grâce à ça, sous forme de charge. Donc pour ceci, il vous faut, encore une fois, rappelons le Blood Crucible qui se craft. Comme j'ai pas peu d'inventaire, ah, j'ai dû faire H-U, H-O. Voilà, j'ai eu peur. Crucible. Voilà, le Blood Crucible qui est ici, qui se craft, voyez, avec de la stone brick et tout, c'est pas bien compliqué. Vous leur mettez. En fait, il faut savoir que chaque vampire est lié à un cercueil. Donc là, ils sont en train de se TP, peut-être pour aller, je sais pas où. Ils vous remplissent ça de sang. Non, il fait jour. Il fait jour, là. Bah oui. Je sais pas où ils s'étaient TP, alors. Ils sont complètement cons, j'en ai qui s'étaient TP, on ne sait où. Ah bah là, ok, juste dans l'angle. On va chez toi en speed. Ouais, bah tiens, on passe par là-haut. Déjà, je peux montrer au moins le premier sort, ça t'évitera d'utiliser. Yep. Donc le premier sort, c'est en mettant le Water Artichaut, ça vous donne 5 charges. Alors chacun va vous donner 5 charges de chaque et va vous donner des nouvelles capacités que vous verrez sur la barre ici. Il faut savoir que la première, donc avec le Water Artichaut, ça vous donnera 5 barres de pluie. Donc c'est parti. Hop. Donc imaginons que vous vouliez sortir. Voilà. Ça vous coûte un Water Artichaut. Là, vous pouvez sortir sans crainte, en fait. Sur la zone, ça appelle un orage, en fait. Et donc, ça vous permet de sortir en tant que vampire. Ce qui est plutôt pratique. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'appel à la pluie. On va aller vous montrer deux autres. Alors dedans, avec le Wool of Bat, ça sera une nuée de chauves-souris qui peuvent attaquer, hein, qui peuvent manger les gens, ce qui est rigolo. Et avec l'os, c'est un TP. TP qui se fait où, Fax? Là où t'as fait ton... Si t'es proche de ton lit, c'est TP au village le plus proche. Si t'es loin de ton lit, c'est un TP... À plus tard. C'est vrai que j'avais oublié que dès que t'es chez Fox. Mais je sais pas pourquoi, j'ai rien. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, je suis à 2 FPS, tout va bien. Ah non, ça va, à 13 FPS, tout va bien. Ouais, il y en a un qui est plus loin. Ah, ok, j'en ai deux. Ok, donc on va faire l'os par exemple. Hop, jette un os. Ah non, c'est clic droit avec un os. Ben, je suis con. Hop là. Ça a rien fait. C'est peut-être pas ton sang. Ouais, non, c'est pas le sang pour moi, donc faut que j'attende qu'il... Non, il va pas. Non, il est plein, ça sert à rien de citer. Bah, je peux les prendre à la limite pour montrer, mais Je peux montrer les chauves-souris, déjà. Vas-y, montre les chauves-souris. Faut que tu m'envoies le boulot past. Ah oui. Et donc là, en fait, une fois que vous avez ça, mais il faut que ça soit vos vampires, parce que là, c'est les vampires de Fox qui ramènent ça. Non, je peux pas. Ah, bah c'est bizarre. Là, c'est peut-être parce qu'il me reste une charge de... Ouais, je sais pas. On a tout pété, ça marchait encore. Ouais, ouais. Ah oui, non, mais attends. Ouais, non, ça veut pas. Je sais pas pourquoi. Ok, bah rendez-moi mon Wool of Bat, monsieur. Bon, je préparais ça pour demain, c'est pas trop grave. Et des fois, faut pas se poser trop de questions. Est-ce que je dois avoir encore une charge de... Oh là là, chez toi, c'est quand même lagman. Hein. J'aime bien être chez moi. Oui, j'ai rien. Dès que je vais m'éloigner, je vais faire comme les gars. Dès que tu t'éloignes, ça va beaucoup mieux. Ouais, je sais pas que tu regardes la maison. Ouais, dès que tu regardes pas la maison, ça va mieux. Hein. Oui, c'est juste un thème de... Sur le serveur, en fait, ça change rien. C'est juste la visuelle. Chargement local. Ouais. Attends, j'ai rien de... J'ai rien d'extraordinaire dans la maison. Que du bloc vanilla, après j'ai un système en bas. C'est un à l'intérieur. Le bloc vanilla, c'est pas mal. Il doit y avoir quelque chose qu'on merde quand même. Hein. Bah j'ai un spawner Enderman, t'as la même chose? Non, moi j'ai pas le même que toi. Un draconique? Non. C'est un classique avec sa farinette. Mais je peux le péter, de toute façon je pourrais récupérer. Ils partent pas bosser, putain. Voilà. Peut-être parce qu'il fait encore jour, mais il me ramène pas de sang. Hein. Il doit plus y avoir de villageois dans le village, c'est la merde. C'est une pub Tahiti Douche, exactement le chat. Je suis assez d'accord. Tahiti. Par contre, ils vont pas bosser. Eh, hey, mais allez bosser, sérieux. Sinon, moi, Seigneur des Ténèbres.
t'énerve. Je me tâte. Tiens, il y a un truc qui. Je me tâte. Parce que Fox, le set de vampire, 2 pièces, tu bois plus vite. 3 pièces, Fire Resistance. Donc ça, je m'en fous, j'ai l'amulette. 3 pièces, le Mesmerine Boost. Donc je. Ouais, je sais pas trop. Et l'Extend Fire Resistance. Donc en fait, j'ai plus d'intérêt de me faire une armure draconique que de me faire. Parce que l'armure draconique, je peux la recharger en énergie en fait. Elle pète jamais. Hein. C'est ça, hein, Oliver. Ah, peut-être ça. Non, ça peut pas. Donc je pense que je ferai ça. Je vais aller farmer un peu l'aide. Tu vas chez tes voisins et tu recharges. C'est ça. Comme ça. Comme ça me dérange pas en fait. Elle sert à ça l'énergie. Donc, mais limite, ce qui est intéressant, c'est ça. Je vais me faire une draconique. Même si la. Par contre, la canne, je vais la garder parce que je trouve ça totalement pété en tant que vampire. C'est vraiment pratique. Tu peux garder les charges en plus de boissons. Donc ça, c'est plutôt pratique vu que j'ai prévu de rester vampire. Mais le corbeau qui est sur ma tombe, quoi. Tout va bien. Moi j'ai ramené des corbeaux chez moi. Et dans ma tombe. Non mais vas-y Michel, c'est mon lit en fait. Faut sortir de là, c'est mon pieu. J'ai ramené un copain moi. Oh un lapin, je vais le manger. Ne tue pas. Non. Ah mais non, t'inquiète pas. Non, lapin. Panique pas. Bon mesdames et messieurs, j'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve demain, même heure, même endroit, midi 15h cette fois-ci. Ce sera pas 14 mais 15h. Cet après-midi, je pense que je vais farmer un petit peu là, pour faire au moins mon armure, parce que ça c'est un problème, l'armure. Les armures, c'est toujours un problème. Alors, on n'aurait pas draconique. Franchement, c'est pas qu'on en chierait, mais on trouverait pas la draconique pétée. Mais elle est pétée. Donc, je vais faire au moins la tier 1. Ça devrait être faisable avec un peu de farm. Hop, et on se retrouve demain pour la suite, sûrement de la Twilight Forest en compagnie des copains. Je sais pas si vous êtes chaud, les copains, demain. Un peu de. Oui. Il reste les autres boss à faire. Ouais, il reste les autres boss. On va essayer de se lister les boss pour refaire limite. Ouais, par contre, moi je vais essayer de me faire un meilleur stuff. Hein, parce pour que avoir de la soupe. Suivre, du coup. Qu'on puisse tous boire la soupe en même temps, le stroganoff. La souplette. Exactement. Tiens, je vais aller ranger mon livre, moi. Mesdames et messieurs, des bisous à vous. Bon après-midi. La suite de vos programmes, c'est d'ici quelques instants. C'est un run Final Fantasy. Nous, on se retrouve ce soir, 21h minuit, sur ma chaîne perso. Ça sera Découverte de Dofus. En compagnie notamment de Clé, on fera 3 heures de Dofus, découverte, etc. Ça fait des années que j'y ai pas joué, donc autant découvrir dans la joie, dans la bonne humeur, voyez. Ça sera assez sympa. Des bisous à vous. Hop là, je passe par ma cave, direction. Je vais ranger mon bouquin. Hop, parce que j'ai mon bouquin qui est toujours dans mon inventaire. Oui. Et je vais le mettre dans ma petite église, on connaît pas la crise. Des bisous à vous, bon après-midi, et au revoir. Au revoir l'équipe, au revoir Fox, Musa, Auro, Oliver, Pop. Dites au revoir YOLO. Au revoir YOLO. Papa.